Papa, bon, c'est un bon commission, les sous. Est-ce que Zalaka? Eh? Papa. Wana batuna yo kak. Bango kaka. Bisoto koma na famdi. Famdi est la kisi famille digitale. Si tu yaba achapé, vente yaba article na bino, nyonso. Ko s'inscrire et za ofele. Quel que soit mon temps ou yaba marchandise na yo. En plus, zéro frais, ya commission. Et puis, rapidité, sécurité, peri kambu ya visibilité. Grâce à Famdi, talandenge business nanga ekoli. En plus, nazo te kapé kosomba sans frais de commission. Donc, zéro frais de commission. Vendu. Famdi, famille digitale. Bienvenue à l'hôtel Saphir, un cadre VIP propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 Avenue Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamu. Téléphone 082 107 65 79 099 991 74 21. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Ben voilà, tout le plaisir est pour nous de savoir que vous allez vraiment ébeler devant ma poste et téléviseur Nabino pour suivre votre émission que vous aimez à chaque fois, Bosolo na politique officielle. Merci vraiment à tous nos très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez na YouTube. Nous vous disons merci, vous amis na Mekilia Bapaya, Isiko, vous allez en Europe, vous allez en Amérique, vous allez en Asie, vous allez partout dans l'Océanie, puis en Afrique, tout ce qui nous merci, merci beaucoup. Et nous disons aussi merci beaucoup na ba téléspectateurs, nyonso ba kota la biso pour l'instant, na kati ya ba province, nyonso et la République démocratique du Congo. Nous vous disons merci, très chers téléspectateurs. Tout rejoint, basango, toi et bas, nini, koleka, nakati, mboka na biso, qui nous tout naki, mokolo, ya lobby ou elekaki, tout kouta ni penabino li sous lelo, tout lingi toi et bas, basango, lingi nini, République démocratique du Congo, et kotambola, tako, population nyon soya Congo, a lobby te, tout lingi, maema, koleka, nangambo. Ya goma te, eko tungi sabandeko, kino to banda bitumba ou yoti lelo, solution ezwa makate. Ya toujours de cas de tuerie, ya toujours de cas de viol. À l'est de la République démocratique du Congo, bato banso bako leve baton. C'est pourquoi nous aurons deux invités, nakati ya plateau na biso, et avec eux, nous allons parler de l'actualité politique à l'heure de plus en plus, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Parce que c'est il y a quelques jours que tout on fêtait au Balobaka, la fête Nabiso, il y a la festivité, s'il faut dire, le 25, mon colopé à les 31, les premiers, tout banso bako kota na mbula ya sika, alors le pays doit être calme. C'est pourquoi les temps sont en train vraiment de s'élever pour la République. Nous allons d'abord prendre les informations du jour. Cessation de soutien au M23. Les États-Unis exhortent le Rwanda à honorer les engagements de Luanda. Massacre de Kishishe. Julien Paluku fait des révélations accablantes contre Kagame. Processus de Nairobi. Clôture des travaux ce lundi 5 décembre après 7 jours de consultations. Félix Tshisekedi salue le soutien des États de la SADC contre l'agression rwandaise. La région du Grand Équateur est en proie aux inondations depuis environ 2 mois.
Ituri, l'évêque de Bounia dénonce les pillages des ressources naturelles. Monseigneur Melchizedek Chikuli déplore l'insécurité grandissante dans la ville de Butembo. Sud-Kivu, un mort et plusieurs dégâts matériels à la suite des pluies diluviennes à Kalehe. Massacre de Kishishe. Le bilan fait état de plus de 270 morts. Le gouvernement annonce l'ouverture d'une enquête internationale. Unikine, la création d'une muraille verte en bambou de Chine a été amorcée pour stopper les érosions et lutter contre les changements climatiques. Les régies financières mobilisent plus de 770 millions de dollars américains au mois de novembre 2022. Dialogue de Nairobi, les fonds destinés à l'organisation du dialogue détourné. Massacre de Kishishe. Rose Mutombo, ministre de la Justice, à la haie pour solliciter une enquête de la Cour pénale internationale. SADC, Félix Tshisekedi exige le retrait immédiat et sans condition des troupes rwandaises et du M23 sur les sols congolais. RDC corruption, l'État congolais perd près de 27 milliards chaque année, selon le professeur Kabisa. Le premier ministre appelle les Congolais à apporter leur contribution à la caisse de solidarité en faveur de vulnérables. Voilà tout pour les informations du jour. Bandeko Balandi, toali na kati ya plateau na biso na bandeko mibale openza to ko kabola na bango, s'il faut dire, soit nous allons réfléchir à haute voix sur l'actualité politique à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons na kati ya plateau na biso mwana mboka di ya banza ototombeli penza to lobi merci beaucoup na ndenge au répondre na invitation na biso ya lelo. Mbote mamelo, mbote na ko débatteur na ngai, mbote na bato nyonso tout bas équipe technique na yo po boko kolamba loko yo koma na bandako, mbote na bato nyonso bazolanda biso, mbote précisément na Songololo, territoire à Songololo, Kimpese, Lumbi, Shengai, mbote na bato ya est. Asio tozomona depuis ba décennie, nous sommes dans l'obligation réellement de témoigner d'une certaine solidarité po bande na biso ya est bazo souffrir. Et ce que nous venons de vivre à Kishishe, je crois réellement, nos frères de l'autre côté, ce sont des héros pour société civile et Kenarola Kisaka. On voulait les adhérer, donc le recruter de force, Nakatia M23, pour Namakambo et Tali, opération, il y a la récolte à la minerai. Mais nos frères, Bazobo et Rotravaïna na Batouana, et pas sur au bazar au Yoka, toujours partageant, c'est vrai. Ils ont ni toujours loin, ni toujours senti hanté, mais je crois pour une première fois, les lobes au monde que Kinshasa se déploie. Après à peu près 25 ans, Kinshasa est en train de se déployer aux solutions à la crise à Est et Zoma. Voilà, merci beaucoup, Mwanamboka Diabanza. Nous avons Prince Epengé à qui nous disons bonjour et bienvenue à Katia Bosolo, la politique. Bonjour, Mamelo Mbote. Nandeko Diabanza, mbote naba congolaise pe ba congolais banso bisika nyoso bazali kolanda biso pona ko kabula makanisi na debalelo. Voilà, merci beaucoup Prince Pengé, merci aussi à Diabanza. J'espère que nous aurons un débat vraiment républicain, démocratique pour Batobaye Bélé, comme on le dit toujours, télévision Ali Radio T, Batobaye Bélé, il y a d'autres personnes qui sont déjà en direct sur Facebook en train de nous suivre. Et Aïbaye Bapenza, Makanis Naminu Ali Nini, pour nous apporter un plus par rapport à la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons reprendre les images aux techniques et réserver Bissou. Nous allons prendre ces images et Tozonga, tout juste après, pour commencer Penza, notre débat. C'est avéré maintenant, depuis des années, même par les Nations Unies, que le gouvernement rwandais soutient les rebelles du M23. Des rebelles qui sèment la terreur, la mort en République démocratique du Congo, notamment à l'Est, où ce conflit a déjà fait des millions de morts. Nous savons donc toute la responsabilité du gouvernement rwandais. Et alors, que fait l'Union européenne? Que font les pays européens? On s'attendrait à des sanctions.
C'est la réponse que l'Union européenne a souvent quand on voit ce genre d'action de la part d'un pays contre un autre. Mais non, non, les gouvernements européens décident aujourd'hui de renforcer leur coopération militaire avec le Rwanda. La France, notamment, annonce un renforcement de sa coopération militaire. L'Union européenne va donner 20 millions au Rwanda pour sa participation au Mozambique. Et les États-Unis, vous le savez, depuis longtemps, sont un partenaire très important du Rwanda. Tandis que vous savez qu'aujourd'hui, s'il y a un État qui vend des armes à la République démocratique du Congo, ben, il doit notifier les Nations Unies, ce qui ralentit, voire empêche, évidemment, la livraison des armes à un pays trop souvent et si souvent agressé. Cette politique, où on dit en mots, en paroles, que nous respectons la souveraineté congolaise, mais en réalité, notre politique l'entrave et la sape, est inacceptable. Il faut cesser ça tout de suite, parce que nous avons besoin, et les Congolais ont besoin de paix. Voilà, merci beaucoup. Vous venez de suivre ces images. Ezali Penza ou Balobaka, noir sur blanc, il n'y a rien à commenter. Vous avez suivi la position après le conflit et Kusa la Penza entre République démocratique du Congo et Rwanda. Le conflit Oyo est causé plus de millions de Congolais au Penza. Basili ko périr, basili ko tika mokili yayi, des morts et des morts. Et l'Union européenne te bandait qu'on s'attendre, comme il a dit. On a qu'on s'attendre vraiment à la sanction, mais c'est le contraire. C'est le contraire, au contraire, on a dit qu'on sapait les Congolais. Moi, en Boka, Prince Epengi, après avoir suivi l'image, aussi, il faut dire, la vidéo que nous venons de suivre tout à l'heure. Normalement, bison la République démocratique du Congo, ou soit on dit à la capitale, quelle doit être notre position par rapport à l'hypocrisie de l'Union européenne à aller manifester vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Parce qu'il y a toujours béqui dans Rwanda. Vous avez suivi, il a dit qu'on s'attendait à des sanctions, mais malheureusement, il a créé au contraire un partenariat entre l'Union européenne et le Rwanda. Merci, Mama Mopanzi Sango. Yaliboso. Na kombo ya koalisi wa Lamuka, na kombo ya Lingomba, na biso ya Dede Congo, na kombo ya President Eli Martin Fayulu, pe ba Congolais Banso, toko presente ba condoléance. Toko presente ba condoléance na ba famille nyoso, ya bandeko na biso, bazaki massacré. On nous parle maintenant depuis de 10, presque 300 Congolais massacrés na Rutshuru. Na ba M23 to na armée rwandaise parce que M23 ezali branche et armée rwandaise ou ba pesi étiquette ya M23 to kaboli ma wana mabota yo wana nyoso bana ba mama bilenge ba papa bazaki massacré sauvagement na ba M23 na Rutshuru na territoire Rutshuru na province ya Nord Kivu. Faut signaler que province ya Nord Kivu tino lelo est toujours sous l'état de siège, un régime spécial exceptionnel. Oyozaki na vocation ya ko empêcher ba tuerie. Malheureusement sous état de siège 300 Congolais ont été massacrés. Comment est-ce possible? Qui a la responsabilité de protéger les Congolais? Toko banda ou continue, quand vous présentez ma condoléance, trois jours de deuil national, ça ne veut absolument plus rien dire dans le contexte. Mais il faut faire quoi? Oui, parce que, à tout mille ans, il y a deuil national et qu'on ressuscite, il va profiter. Pesa bango sécurité. Je l'ai toujours répété. Naza na ba groupe WhatsApp bleu ya bana ya Beni Butembo Goma Rutshuru. Ils me disent ça depuis 2019 que molobele ya peuple prince Pengé toi na besoin ba immeuble ya kisasa te. Toi na besoin ya ba musicien ya kisasa te awa. Toi na besoin ya ba mitu kanabino ya chair ya kisasa te. Tu en as besoin de Kimia.
na Rutshuru awa na Goma na Butembo tozali ko produire toki ko lia toki ko mela toki ko lata toki ko protéger mboka na biso mais loko moko to sengi na pouvoir central a assurer biso sécurité. Malheureusement, au lieu d'assurer la sécurité, on donne plutôt ma condoléance. Donc je ferme la parenthèse. J'ai noté comment la déclaration il y a au sein de l'Union européenne. C'est ici l'occasion pour moi, Prince Epengue, de féliciter le peuple congolais. Parce que je suis profondément convaincu que malgré opiniâtreté, il y a bayo balingo ça la balkanisation, bayo balingo diviser biso, bayo balingo éclater Congo. Rappelez-vous que tango armée Front Patriotique Rwandais est en pouvoir en Rwanda. Je crois que mon président Liboso ben Stalaki avant Kagamaya et Zaka Kwa Bizimungu. Quand Bizimungu entre au pouvoir au Rwanda, après prise de pouvoir na Batuti en 94, Bizimungu avait dit que Esengeli un deuxième conférence de Berlin pour nako revoir la frontière y a Afrique. Et tango Bizimungu à l'époque président Rwanda za koloba été faut deuxième conférence de Berlin pour n'aba revoir ba frontière Afrique pour naye esengaki frontière ya Congo na Rwanda ba revoir ango ba pousser frontière ya Rwanda et côte sud na kati ya Congo. Malgré tous ces complots là, malgré ça Sarkozy avait dit dernièrement, je suis convaincu que les Congolais ne permettront pas, n'accepteront pas, ne vont pas céder un centimètre de leur pays. Je le dis avec confiance, parce que moi-même, Prince Epengue, chaque fois que na kenda kanaba manifestation, le kola ou ya dimanche, tout ça là qui a wana ba catholico, le 4 décembre, na maman ba catholico, j'ai vu mes propres enfants me demander, papa, vous allez où? Vous allez marcher? J'ai dit, tout le temps, pour te boire, pour que nous puissions balkaniser, pour boire l'occupation rwandaise. Tuningai, voilà des tina en marche, Nabi, oui. Il m'a posé la question, ils veulent prendre notre pays, j'ai dit oui. Et donc, ça dit que nos enfants grandissent avec l'idée que, beau cannabiso, intégrité à territoire nabiso, ma belle nabiso, et que vous avez un sujet, il y a une négociation. Et tango, namoni, ba manifestation n'a pas comme bimba. Biso na la moukana président Eli Tobani Kosalango depuis le 30 juin 2019. À l'époque, on ne soupçonnait pas encore que M23 à côté de Mboka na Biso. Car le président Eli Martin Fayulu a initié le 30 juin 2019, marche dans toutes les provinces. Il y a eu des millions de gens qui sont sortis. À l'occasion d'ailleurs, un des militaires de l'ECID de Fort Palou a été tué par la police à Goma quand on marchait pour dire que ça n'est trop les massacres. Nous exigeons l'application du rapport Mapping. Parce que Kagame a fait le rapport Mapping na Rwanda. Na Museveni. Donc, lelo, soko moni ba mindele yuana ba bandiko longola potinamiso. Ba msusu, c'est pas encore la majorité. Ba député msusu européen. Da bandiko fongola miso. Ba certains sénateurs américains vando fongola miso. Certains députés britanniques vando fongola miso. Et ali avant tout, foui. Il y a mobilisation populaire. Et moi, au sein de la Mouka, et je suis fier des initiatives que le président Eli Martin Fayulu a eues depuis jusque-là. Alors que certains disaient, Fayulu a lingé al marché pour la collecte sa popularité. Naïe. Non. Il disait non, ce n'est pas pour la popularité. C'est pour avertir, prévenir. Quand nous, la Mouka, nous, des Congo, et tous nos alliés au sein de la Mouka, nous marchons en 2019. Même les DPS ne voyaient pas encore Tina va marcher contre la balkanisation. Aujourd'hui, tout le monde ne parle que de ça. Nous nous réjouissons. Ce n'est pas une victoire personnelle. Mais nous nous réjouissons d'avoir déjà commencé à mobiliser le peuple avant même que M. Soubaouan ait percevoir le danger. Donc, Lelo, bravo au peuple congolais. Mais ce n'est pas encore suffisant. Nous voulons qu'il y ait la députée Mogote européen isolée. Parce que là encore, c'est deux députés, trois députés. Il faut arriver à secouer les cocotiers.
Et ça, ce n'est pas l'affaire du gouvernement. Ce n'est pas l'affaire du gouvernement parce que le gouvernement fait partie du problème jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, vu les contextes, c'est comme des accords de Kanambo Kanabiso, le gouvernement, il y a M. Félix Tshilombo, fait partie du problème et non de la solution. Ils ont tergiversé. C'est moi, Sengi Unité. Attaque au gouvernement fait partie du problème. Sengi Unité, moi, je suis prince et penga ya na oaye. Ma kani si, moi, je suis prince et penga ya na oaye, kamera ya na oaye, faïlo ya na oaye, non? Madame, unité la journaliste... Unité en Bolingui, on t'appelle Wana au chef de l'État, ça là qui? Non, non, unité, mon passage appelle à Liboso à unité, et ali le président, le Martin Fayoulou. Il y a Bandar à Liboso? Oui, il y a Bandar, on n'est pas confrère aux États-Unis. Il y a ça là qui est un militant, non, alors qu'il unité à peuple congolais. Alors qu'il unité à classe politique, puis unité à peuple congolais. Et Tango, il a prévoyé qu'il va marcher. Comme je vous ai dit, avant et après agression, il était toujours le premier. Mais lui et Félix Tshisekedi a s'adressé à une nation. Oui, Félix Tshisekedi s'est adressé en appelant à l'unité après Martin Fayoulou. Ça, donc, mais le plus important, ce n'est pas tout le cas, une espèce de promogéniture, il y a Makamboyouana, non. La question de savoir, le président de Martin Fayoulou appelé à l'unité. Félix Tshisekedi a eu que benga l'unité na simanaye. Dans tous les cas, tu as que l'unité na benga ki libosu na unité. Unité au Félix Tshisekedi a benga ki, ezali malamu. Unité au président du Martin Fayoulou a benga ki, ezali malamu. Le plus important aujourd'hui, c'est que le peuple soit mobilisé. Mais mobilisé derrière son armée, pas derrière un individu. Parce que je l'ai dit et je vais vous le démontrer ici, noir sur blanc. On soutient quelle armée congolaise? On ne soutient pas le président de la République? Non, on ne soutient pas, mais c'est Félix Tshilombo parce que Félix Tshilombo fait partie du problème. Il faut l'accompagner dans des idées, non? Non, non. Et si lui, à ce niveau ici, lui n'a que des actes. Or, qui ne pose pas les actes. Est-ce que pouvez-vous comprendre, madame, que je l'ai suivi hier, je ne sais pas ce qui se passe avec Félix Tshisekedi. Voilà ce qu'il dit. Le commandant suprême va soutenir le militaire, va soutenir le commandant suprême. Non, c'est l'armée qui se bat, c'est les unités combattantes qui ont besoin du soutien populaire. Azali Komelaza Kolia, Dengue Ali. L'armée congolaise ne pas confondre avec Félix Tshisekedi. Je vais vous donner un exemple. Nous sommes maintenant en 2004. Moutebousi a zui ville à Bukavu. Tous les qui ont lié à Papa Etienne Tshisekedi à Mulumba. IDPS, na biso, to bima nanzela. On a que le Bukavu est kendate. Je me souviens encore de Kendati na Monusco, de Tchapito Paré à Gosakanate, na 14e mars. Tant que Bimagana IDP se pone à Koloba, armée, il faut récupérer Bukavu. IDP se pone à Zélate pour soutenir Kabila. Tu sais, quand des armées vont récupérer Bukavu. Il faut faire le distinguo entre l'armée et le commandant suprême et de force ça, de l'armée. Ça, c'est le texte. Donc, la réalité est que c'est qui se bat au fond. Tango, il y a 10 ans, M23 à Zouaka Goma. Bisto bima pena bando ka IDP zou nan zela tobi gome o kendate. Kabila sa ba vantir nona ba M23 gome o kendate. Tobi maka nan zela pour nous soutenir Kagamete. Tobi ko soutenir Félix te. Comprenez pas tant on a encore ça la confusion entre Félix na Kagame parce que ce sont des frères. C'est difficile à les séparer. Donc ici, l'armée a besoin du soutien du peuple. Et j'ai dit bravo au peuple congolais. Bisika nyoso boyali. Ba tailleur, ba professeur d'université, ba enseignant. Cambiste, banquier, musicien, tout le monde, maman, popula, journaliste, biso banso, tolobi, soutien na armée nationale congolaise. Parce que nous croyons cette armée, que l'armée est capable. T'as la phrase au Nautico Loba pour nous souki ça. Tango, quand M. Félix Tshilombo dit, c'est le régime rwandais avec Paul Kagame en tête qui est l'ennemi de la RDC. Félix Tshisekedi dit que c'est Kagame na armée na à Rwanda de Bazali ennemi à RDC. Donc Félix est le dernier Congolais. Il y a 4 ans après
que Kagame azali ennemi à Congo. C'est quand même assez. Mais Beleli yango pelelote. Non. Agresseur ennemi à Beleli yango lelote. Ah. C'est quoi? Soka Beleli yango lelote. Abenga ke frère na yendegene. Frère, frère. Kagame azali frère et à la fois ennemi. Voyez, na au 21e siècle, madame. Toi on a besoin d'un président ou ako sama comme le coup la félicité. Nous avons besoin du président qui anticipe. Balobaka, dans le poteau était l'homme prudent, voit le mal de loin. Mais Félix Tshisekedi Azali est un homme imprudent qui voit toujours le mal après. Il dit que Kagame, Félix Tshisekedi, je déclare ça avec un kilo d'acier, que Kagame est l'ennemi du Congo. En bon, papa. Mais pendant 4 ans, Yona Kagame Ozali, bras dessus, bras dessous. Pendant 4 ans, vous et Kagame, vous avez bu les verres de vin ensemble pendant 4 ans. Vous avez dit au monde entier votre amitié à Kagame. Vous l'avez appelé l'allié plus que nécessaire. Mais après, ça ne va plus. Ah non, madame. Ah non. N'oublions pas que Toutina Félix est en opposition. Et dans l'opposition, nous disions également la même chose. Kagame était l'ennemi du Congo. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'une fois que Kabila a perdu le pouvoir, il y a bien Kagame, son frère et ami. Est-ce que, Kagame a le président a écouté un aïe collègue qui président sur le monde entier? Pour l'année de président Congo-Brazzaville. Pour l'année de Congo-Brazzaville. Pour l'année de président Gabon. Pour l'année de président il y a Sénégal, président Burkina Faso. Même pas président Angola. Parce qu'avec l'Angola, on a une longue histoire. Ce sont nos frères, je dirais, et dans le niveau de Bantou, très proche de la Angola. Pourquoi Kwenda Vutuka, Kwenda Vutuka, toujours dans Rwanda? Tala ba faveur où Félix a pessi na Paul Kagame. Mais qui dit Kagame dit Museveni? Tala ba faveur où a pessi na Museveni? Ce n'est pas innocent. Il y a quelque chose, il y a un sur roche. C'est pourquoi la plus grande question aujourd'hui, il faut retourner à Félix, c'est qu'il dit qu'est-ce qu'il avait promis à Kagame? Qui justifie aujourd'hui que Kagame puisse venir faire les recouvrements forcés de ces promesses-là? Tant qu'on Tokoloba Makambo face à face, on ne se dit pas de vérité. Ici, Félix Tshisekedi, a qualifié Kagame d'ennemi du Congo. À partir de quel jour Félix a compris que Kagame est ennemi à Congo? Non, on n'a pas besoin d'un président comme ça. Voilà, on a besoin d'un président qui anticipe. Nous sommes au 21e siècle. Un président qui ne voit qu'après. Un président qui vous dit qu'il n'était pas au courant. Non, nous, on a besoin d'un président qui est informé avant tous les Congolais. Ok, Félix est informé après tous les Congolais. Non, non, non. Voilà, voilà pourquoi en 2023, les Congolais diront on voudrait un président qui anticipe et non d'un président qui subit comme Félix Tshilombo. Voilà, merci beaucoup, Prince Pengé. Dia Banza, vous avez suivi la vidéo ensemble avec nous ici au plateau. Moi, Lamboka, Yo Makanisiali. La vidéo est très éloquente. Et là, qui s'y quelque part que complot Oyo et Outi Moussika. Mais malheureusement, biso ba congolais, quand on veut en parler, tozo lingato restreindre ango na ba problème interne. Pendant que Mouto a lobby, a la kisi noir sur blanc, la responsabilité de l'Union européenne, la responsabilité des États-Unis, na kata complot, ozo nyoko la biso pendant des années. Ma grande surprise, ndeko nanga tango azo loba, azo contredire l'isolo à Mouto sur toute la ligne. Que le député européen Marc Botenga était en train de mentir. Mais à la kisi biso que ngongo yo bazo tinde la deni mukwege mbongo po a réparer ba femme violée soutien à l'Union européenne. De la même manière, l'Union européenne azo zo mbongo azo pesa Rwanda et il est en train de se plaindre. Ailleurs, tout ça, la canini, ceux qui t'ont remarqué que les preuves sont avérées qu'un pays est en train d'agresser l'autre. Et il le dit qu'on a sémé la désolation pendant des décennies. Mmh. Mais à ma grande surprise, quand je suis en train de suivre mon frère Epengue, il se permet de dire, Félix, c'est le problème. Pendant que Yemoko a bêti du solo, qu'en 1994, pourtant, a tangi pasteur Bizimungu, Faye Bakazaki président, 94, je crois 2000. Et le pasteur Bizimungu était en train de dire que il faut pas récupérer Toba Zoua une partie à Mabélé à Congo. Félix n'était pas président. Yemoko m'a cité pasteur Bizimungu. Et il cite pasteur Bizimungu, mais il est en train de résumer le problème
au président Félix. Et malheureusement, azo confondre l'issoussou, l'individu Félix Tshisekedi Tshilombo na commandant suprême. Quand tu dis toi soutenir Félix Tshisekedi, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord. Parce que Barozalana est concurrent na Makambo Italie élection 2023. Et nous respectons leur point de vue. Mais tant que Komi Koloba va soutenir tes commandants suprêmes, ou tu ne comprends pas ce que tu dis, ou tu es en train de dire des choses par haine, animer l'esprit, Yakobo Makongo, poyozo ta l'intérêt dans l'individuel. C'est ce que je me dis. Nous devons comprendre une chose. Naka tianda kunangai. Oyo ya yo mamelo na poni ya yo. Mouto akoti abanjo beta yo. Mwa nana yo moko a mobali ba soupsona ki ye mo yibi tue loko moko songolo. Avandi, verite na no yebanite, tan mouto an akoti po beto na kachanda ku mwa nana a lobi na kobundate ti verite ko yebana na likambo nangai. Malgré ba soupsona ki ye. Ale moko abanjo bunda. Oyo wana soki, mouto akoti soka le ki makasi. Ako boma mamelo, abomi owana, et puis tant ako sili sa, mena même na mouto abo ki kobunda. Ako boma ye. Dans le contexte actuel, je suis en train de me dire, il faut nécessairement la mouka et kende na comprendre. Nous le savons nous tous. Mais bazo bete li solo a inite tout à l'heure. Mais bazo bete li solo a inite. Et Ali Martin Fahilunde a banda li solo a inite. Bazo loba. Bazo loba kombo ya unité, mais bazo kabola Congo na message na bango. Moutouali Bosso à l'obi, nous allons déstabiliser la République pour que les investisseurs baillatent. Et ça, bah, mouka. C'est sur les médias congolais. Nous allons déstabiliser le Congo pour que les investisseurs ne viennent pas. Et ça, moutouali mouka. Et à l'époque, la personne en question devait être le président de la plaque, le président de cette présidence tournante. Présidence tournante, il y a la mouka. Moutouali Betaki di Soloana. Et nous comprenons quelque part que bah, garder réellement. Position la bango ya kolingate Congo et mettre hors état de nuire adversaire na biso. Et Yesusu a emboîté le pas ya Ndeko Fayulu, ya wana mouni mobilisation ba catholique ezaki au rabais. 50% au rabais. Zongi sango n'époque à Kabila, na ba policier ba zaye ko tire na kati ya beglise, c'est le Congo tout entier qui était en train de bouger. Président Martin Fayulu a sali appel pour Batubaya. Nous avons remarqué que Batubazo couar na bango li soussouté, pour discours na bango ezo divagé. Soit vous voulez défendre le Congo, soit vous êtes en train de combattre le Congo. Et le président Martin Fayulu, discours na ye, na discours à Kagame, et comme yokutana. Bango mi balé, bazo loba, et loko moko. Vous comprenez directement que la frustration ne permet pas au président Martin Fayulu de faire le pas vers le changement, où il faut permettre au Congo et qu'il y ait de l'avant. Na yo qui yoko bête à l'isolo, y a appel. Appel à Ndeko Fayulu les Zara qui pour un bloc patriotique. Pour la vérité des urnes. Na inito, y a senga qui wana. Basanganana Kabila. Oh. C'était ça. Y a l'obé à senga qui na basala marche. Basala marche au Kabila, tindela bango 500 000 et 500 000 dollars wana mte kabola bango na mouzitu. Nous le savons. Nous le savons, ça n'avait rien à voir avec la guerre d'agression. 18 ans de la, du règne de Kabila, Kabila a fermé les yeux na makambo etala ki Rwanda. Et il faut aller balisusu ndeko nangai. Mutabomi Abel, na katia Bible, c'est son frère, Caïn. Il ne cesse d'être son frère parce qu'il l'a tué. Il a tué son frère, mais c'est son frère. Kagame, c'est notre frère africain. Mais malheureusement, notre frère africain, au lieu de travailler pour l'intérêt de l'Afrique, diaboliquement, il reconnaît et il est en train de s'enorgueillir. Pour Betali Solo, yaza champion de guerre. Nangongo, biso tozo Betali Solo ya démocratie. Et naki champion de guerre, il est allé loin de traiter le Congo de tout ce qu'il voulait. Mais le président, en communiquant, il a fait voir aux Congolais, nous devons aider réellement nos frères du Rwanda aussi, pour balongwa na musellement o ndeko na biso Kagame a tiabango. Et Kagame aussi pour continuer, il y a des éléments qu'il doit nécessairement comprendre. Pour lelo mukile fungwama et bandobeta li solo, la tactique, la stratégie a été définie par le président de la République. Président de la République Tongazo Yamba na landai na TV. Jour bazo pesa ndeko Gims passeport en tant qu'ambassadeur pour le Congo na Dadju na landa ye
kolo babilo baloba sur cette démarche. Mais ce que notre ami, notre frère Gims vient de nous donner par sa chanson, Azui, na renommé mondial Azanango, na Coupe du Monde à Fongola qui peut à clôturer, il a parlé du Congo. Et Lelo, Gims était en train de le dire, j'ai remarqué que toutes les antennes, il y a ma chaîne française, bazana silence. L'isolo ya liwa ya Congo, babeta kayango te, yango na beti l'isolo ya Kagame, Kwagame rime avec Kagame, Kagame rime avec Kwagame. Et quand je le dis, j'ai compris aujourd'hui que les questions viennent de partout. Pour nous expliquer, moi, Morso Nzemboana. Et Morso Nzemboana, ils ont lié na baliwe et salami na Congo. Et le président Félix était visionnaire. Ayant compris que ma chaîne internationale, et ça là qui n'a qu'à t'a complot, wana, il fallait nécessairement te délier balang na bango. Et balang na bango, comme au Fungwa Makan, il a si bien dit, la mobilisation du peuple. Et de cette mobilisation du peuple, ce sont les leaders populaires congolais, Moutoubala Moussi Batou. Au moins, de gonanga, le kola bakambu. Tant à zon, c'est pelabi, à kangi mounoko, à sali gesto. Pour dire qu'il y a un complot du silence. Et de ce complot, to moni ba sénégalais, balandi biso, ba sali libiso, le kouana. Pour nanini, bah, stars congolais, ils se sont réveillés parce que les stars congolais ont été sensibilisés par le gouvernement pour pas qu'ils ne recomprennent ce qu'il fallait réellement faire. Et, une fois de plus, bah, comprendre que l'unité, nous en avons besoin. Ce n'est pas le président Félix qui est visé. Ce n'est pas l'UDPS qui est visé. Appel à moi, on dirait. Mais c'est le Congo qui est visé. Appel à moi, chef de l'État. Mais bien sûr, pour intérêt, n'a pas besoin ailleurs. Mais les lopo mutoyo Marc Botanga aloba, Anthony Blinken aloba, André Flao Neto Solano, il y a cela 20 minutes à outo tuté pour le même problème et il a utilisé le même discours na Marc Botanga. Quand il l'a fait André Flao, c'est parce qu'ils sont en train de comprendre que le langue c'est des liens. Mais les langues ce sont des liens grâce à qui? À la stratégie mise en place par le gouvernement. Et de cette stratégie, il fallait commencer quelque part. Où est-ce que nous avons commencé? Tolinga kito la kisana monde entier que nous sommes ouverts. Le vrai problème du Congo, nous devons le dire, film à Thierry Michel, est éloquent, et là que nous sommes victimes de nos richesses. Et victimes de nos richesses, il faut bien le dire, Mamelo, victimes de nos richesses, 1885, Bakabola Congo loko la patrimoine universel. Bapé Siango le plus faible de gestionnaire au Azara qui présent la conférence de Berlin, Léopold II. En époque wana découverte ya caoutchouc, révolution industrielle pneu. Ah bazo katama beaucoup. Tangou Léopold II a commis si Congo ya yemoko. Campagne salami contre e ba pesi ango Belgique. Deuxième guerre mondiale, puissance commis, pose à la puissance militaire uranium, il faut bombe nucléaire. Congo lissousou. États-Unis abimi puissance mondiale. Mais lelo, c'est quoi? C'est les coltans. Il y a d'autres minéraux, comme le président est en train de le dire, nanou richesse wana en termes de découvertes scientifiques et monanité, mais nous en avons. Mais ni il faut ça là. Il faut nécessairement pour arrêter ça. Bande konanga le quoi bepenge, faut bâtir kakota la Congo na prisme ya parti na ye. Faut ta la Congo d'une manière générale, qu'il y ait un complot international contre le Congo. Ce n'est pas une histoire qui concerne le président Félix. Trois décennies, nous avons vécu cette guerre. Na yebisa qui est la fois passée ici sur plateau Oyo. Kende Kotanga, la stratégie du chaos, na du silence. Définie réellement par l'homme européen, attend à Colette Brackman, enjeu congolais, à omona que le travail est fait de l'extérieur, na ba capitale à Bamboka Minene, Washington, Bruxelles, Paris, contre nous. Et il doit avoir encore cette information. Nangongo Biso toujours Bundapo réellement Makambwe s'est délié. Macron était en train de faire des démarches diplomatiques. Est-ce qu'il y a moyen à la Kissa, que... à la Kissa dans le monde entier, que le président Félix est avec
Vladimir Poutine, il risque réellement de donner l'essentiel de ses minéraux à Vladimir Poutine. Donc, nous devons comprendre que dans le contexte actuel, le problème, c'est nos richesses. Mais non, la RDC ça n'a rien à voir avec la personne. Non, RDC a peur non Nakacha guerre sur le plan communicationnel, tout ça déjà. Ce qui est vrai, même si le chef ne le déclare pas, Bisogno Stoebi est une république démocratique pour l'instant, toi, n'a été à guerre. Mais n'a ni n'est au causé là. Ou soit, tu peux s'afficher à côté à Russie. Tété, il y a deux choses qu'il faut comprendre réellement. Même quand on est la grande puissance américaine. Nous avons peur de s'afficher dans la famille à Russie. Même quand on est la grande puissance américaine. Et Ripé le Kamingi, tu es pour la minute, comme il m'a étalé action. Même quand on est la grande puissance américaine. Pour qu'il y ait une guerre, il y a une stratégie, il y a un lien dans la communication. Ce qu'on est déjà en gros, tu risques de perdre la guerre dans la logique qu'il y a Hitler. Puissance militaire en 1939, 40-45, il a perdu parce qu'il avait négligé la communication et la stratégie des alliés. Nangongo, tozo beta li solonganayo, biso, raison na biso ya guerre et comme on voit, aval. Pour nanini, nazaraki nande kwe penge a na plateau. Alors, il y a encore la Rwanda. Tinate, lulululululu. Mais le lotant Anthony Blinken, alors, nous avons eu réellement un débat fructueux avec le président Paul Kagame. Sur quoi il s'est basé? C'est l'accord de Rwanda. Pour Ayebisa, Ndeko Kagame cesse de soutenir le M23. Donc, c'était, je l'ai dit ici sur votre plateau, c'est une victoire diplomatique qui peut nous permettre. Combat pour Boro ici, Riango, il faut en premier lieu raison valable dans la stratégie militaire. Dans les lits, les sous-sous, sous état de siège, Babomi Bato. C'est malheureux. C'est malheureux. État de siège, ils ont une option à caractère de gestion. Compte tenu, et le mécanisme est défini dans la Constitution, compte tenu d'un problème qui est en train de surgir pour Ezoniokola, la vie quotidienne de Congolais. Nenge Moko. Bien en caractère de gestion. Nenge Moko. Mais on a beaucoup de soutien. Hein? Si la... Nenge Moko, état d'urgence sanitaire. Ayez po nanine. Ayez po. Dans la vie quotidienne du Congolais, il y a un problème qui vient de surgir. Oyebimisi qu'il y a danger. De ce danger, il nous faut deux options d'urgence pour te résoudre le problème. Et au Congo aussi, nous avons ce problème. Et mécanisme, il y a état d'urgence. Et ça constitutionnel. Et ça constitutionnel. Algérie n'a guère n'a celle n'a 6 ans. Ce n'est pas pour autant guerre aussi là. C'est une option qui te permet réellement il y a qu'on restreindre ma liberté, on gère dans la logique. Il y a problème, Bozana. Et de ce problème. Et de ce problème, élément Liboso, au lundi, le sous-soumoune, le wana kobeta, le solo, il y a difficulté, tout ça, n'a pas eu mandoki. Ralentissement, au toujours, je poto posséder Mindouki. Au lundi, secrétaire général, il y a Nations Unies, kobeta, le solo, M23, zara mandoki, il y a armée classique. Et puis son arrêté à Rwanda, nous nous sommes battus aujourd'hui pour réellement tous à la paix, sous en possession des avions. Tomatissa, budget aussi. Armé, Namasolo et Tali, loi de programmation. Je crois dans le contexte actuel, notre débat, il faut cesser de retourner na N.O. Bozanango contre le président Félix, mais tout vendisango, na bolingo, tout ça, pour na Congo. Congo est à la préoccupation de la biso première et non nos intérêts à caractère partisan. Pour ceux qui ont bandé au Kandeko, président, il y a parti presse, osons comprendre qu'on dirait Kagame Mutazo Loba. Tu comprends quelque part qu'il a même besoin de décourager nos militaires au front. Pour Kaka, il y a tel intérêt. Mais c'est malheureux. Le pays est notre. Ce n'est pas l'UDPS qui est visé. Ce qui est visé dans le contexte actuel, il faut aller bas sur le Congo. Il est même en train de torturer l'histoire. Et contradiction, au monana, bisimou, nous n'en quatre, moyen à problème, l'élo, au résumé, on a président Félix. Et, on l'a qui s'est dissous, sous Poco Sabatou, que, quand on présente Martin Fayoulou, ça l'appelle la bloc patriotique, ça n'avait rien à voir avec cette guerre. Voilà, merci beaucoup, Diabanza. Merci beaucoup. Malamboka, Prince Epengé, Tozongi et Painayo. J'espère que tant on a demandé que tant à Penza, bah, Sango, Oyo, Tobong Selaibino, Puna Mokulu, l'élo.
Il y a le 6 décembre, na totangaki, maematali, massacre, eleki, na kati ya kishiche, au bilan penza, ezali ko faire état, il y a plus de 270 morts. Gouvernement Koutou a quoi annoncé ouverture et enquête internationale. Mwana mboka, oyo susu, et banjo ya li kambo, nini. Dialogue, s'il faut dire accord, il y a Nairobi. Bauter aussi ça va consultation qui nous ya lobby lundi té ici à lelo ici la lelo ba iba kin falango ba pesa ki débat délégation ça ba clara ki na kati ya porte ni mbongo mwana mboka toko kende wapi na mboka ba lobby ba ko ya nani mwana mboka mi nani alobi mingi ali mai matali coltan o yali na ngambo ya Masisi kuna balingi bande ko ya Kagame balingi ba exploiter coltan na ngambo ya Masisi na yebite ikanishwani ya lindengeni. Merci pona motuna mama. Je crois que na kozala coup contrairement de ko dia banzo wa mele makambo ebele, je le na comprendre te vraiment le ko ni koloba parce que asali populisme mais ba congolais balingi ba yo kali sukulu ke pesa bango direction toko kenda. Bangonde bazali na pouvoir atako bazoka kona ndeya kimuyibi mais bazako pesa orientation te nini bazali ko sala poto za kimia kaso bandoko lo mama kambo ya Kenya kuna ulandaki communiquer ya Uhuru Kenyatta anako tanga tweet ya confrère na yo Sanyimbu Jakira alobi je suis prêt à dire au monde entier qu'il ne faut pas donner de l'argent à ces gens s'ils sont incapable d'organiser les pourparlers dans les bonnes conditions. Donc en falanga babimisa ki na caisse à l'état à Congo a pouvoir que nous pèse ba groupe armé kuna na Kenya. Ba organisateur balongwa ka ba kende na falanga kuna fesika falanga ki yebanete. Président à Kenya babina ko dénoncer na monde entier que falanga bo détourner yango. Donc ba fagi basi se ba pourparler à Kenya lobby mokolo ya lundi mais délégation à Congo même ki falanga kuna falanga ko mona na suite. Yaza ina imediateur yom tajira kan falanga te falanga nde kesi ya leta Kongo de bimisi falanga pe mema na Kenya monike bato to lobana bino ete bango sola falanga sola falanga banga koyoka yango te meme na Kenya bage ko sa buzoba mon solo ali destiné pona mon solo pona opesa ba groupe armé na Kenya kuna ba perdième mon kola opesa bango lundi oyo président ya Kenya ozali facilitateur alokiwa pe mon solo ko mona esute. Ce régime ici fait la honte du Congo, même à l'extérieur, même à Kenya. Et puis, à Kenya, tu as dénoncé. Yango. Alors, il y a créé dans le monde entier. Quand il y a une délégation à Kenya, il y a une délégation à Kenya. Comment peut-on faire confiance à des gens comme ça? Alors, Ndeko Diabanza, il y a un complot des alliés internationaux. Oui, complot des alliés internationaux. Kagame a été valet des Occidentaux. Mais Lumumba na soko dandi li sikulu ya Lumumba oyo akomela ka mwasi na ye mama Pauline yambo ba kangaye alo bagete un jour ba congolais ba ko longa bitumba contre ba ennemi extérieur pe contre ba ennemi intérieur ba ennemi extérieur ya Congo communauté internationale wana ba ko yana ba complot na bango mais soki ba ko kota pe ba appliquer ba complot na bango ba saleli yango ezali parce que il y a des ennemis intérieurs. L'ennemi extérieur ne peut jamais vaincre ou trouver terreau moko fertile soki ben ennemi intérieur bazalité. Donc ezali combinaison entre ben ennemi extérieur et ben ennemi intérieur de ko sa de Congo ezala à genoux. Et bien, l'ennemi intérieur est ali avant tout des politiques qui acceptent, par exemple, pour qu'il y ait élection, il y a gagné l'élection, mais il accepte que ça va dire pour comment il a sacrifié et le Congo, et les Congolais, et les intérêts du Congo. L'IDPS doit faire introspection. L'IDPS fait ça examen de conscience. Si nous en sommes là, il y a des conséquences lointaines. L'IDP se doit aller faire examen de conscience. Pour nanini lelo, to comme la situation oyo. Ndeko Diabanza alobi ke
discours ya Fayulu et comme le coup discours ya Kagame. Non. Kagame a lobby lundi devant parlement rwandais que Félix Tshisekedi a gagné qui élection na Congo te. D'ailleurs, il y a guerre continue na est pour na ba élection 2023 et ça la maté toi fodé yango. Makambo ya kolobane yisembo. S'il vous plaît. Est-ce que mbali boso yo kamutaza kolobana mondo que Félix a gagné qui élection te? Ma etali ma ponomia RDC est-ce que tali Kagame? J'ai dit Nabi, est-ce que tali est nani? Tali Kagame te. Kagame c'est un sanguinaire, Kagame c'est un dictateur, tout le monde le sait. Mais na lobi est-ce que makamba lobi que Félix a gagné qui élection te? Kagame mutali boso ko lobanga na mokili. Ya ko bimisa ngo bena ngongo. Non. Alingia déstabiliser ça n'est pas la question. Soyons menons un débat intelligent et rationnel. Même les Américains ont dit que Félix a gagné qui élection te. Union africaine alingai kotinda de Kagame awa. Kagame azaka président Union africaine. Tango Union africaine pour la première fois. Na histoire ya mon ya histoire ya Afrique. Union africaine a suspendre validation ba résultat ba élection pour la première fois depuis qu'Union africaine existe. Depuis OIA na homme so ezakali kala. Même Sadek alobaka ba résultat e bimisi Félix vainqueur ezali ya lokuta cour constitutionnel a validé angote. Pourquoi Union africaine attend ki président Idriss Déby ya Tchad pe a son âme. Il dit que c'est de la Congo Brazzaville. Kabila Pekisa Yakota. Président Angola, Eduardo Santos, paix à son âme encore, à Outro Koufa. Alingaka Yawa, pour Nakoloba, le résultat, on a vu M. Félix vainqueur, les Alli Lokuta. On a gagné l'élection et Ali Félix. Président de la Commission Union africaine, Alingaka Yawa. Kabila Lobi, la frontière à Congo, on a gagné l'élection. Ça, c'est l'histoire récente, non? Mais on parle de quoi? Donc, Oyo, et que ça va entre Kagame maintenant Félix, c'est le plan verbal, les alli querelle des ménages. C'est ce mariage politique-là qu'ils ont fait pour besoin de la cause n'engage pas les Congolais. Ma quelle est Félix, n'a Kagame, mais le plan verbal n'engage pas les Congolais. Ils savent, ma Kamboubayo, quand ils vont m'y aller. Disons la vérité au peuple. C'est un peu comme la Bible le dit. Les pères ont mangé les raisins et les enfants se trouvent avec des dents agacées. Félix, c'est que Dieu a eu des accords secrets avec Kagame. Et tant que Mahomi Balé, Bakoyo Kanate, accords secrets engagés, Mahomi Balé, c'est les enfants de Kivu qui meurent. Il faut le dire. Si nous aimons le Congo, il faut le dire. Et ça, le col en pota, aux anna tofina na kati. O le bobo tobolango misa tofina. Bobo tchaki se kauka. Bino olingi li kola tofina bo tchaki se ko simbate. Tant que Félix cacherait des vérités aux Congolais, si ses accords secrets avec Kagame, nous ne sortirons pas de l'auberge. Et si Katou Kagame a koloba, kolobanine, Félix a respecté l'accord. Félix a respecté l'accord. Bakor ango zali nini. Aïe, psabiso. Quand nous disions ainsi que Félix avait signé des accords, Diabans était en train de nier. Il ne peut se tenter de nier. Mais dans le discours, il y a le 22 novembre 2021, son dernier discours, il y a 13 minutes, Félix a fini par avouer, il y a mon co. Parce qu'il y a un Kagame. Parce qu'il y a un Museveni. Mais dans quelle langue voulez-vous qu'on vous dise que Félix Tshisekedi fait partie du problème? C'est pourquoi j'ai dit que le soutien doit aller dans les militaires, dans les soins à fond. Ou bien comme on a passé, ou bien la Libanda, ou bien qui basse dans le Moussika. Ou bien qu'on propose, va tripler même le salaire dans le Bango. Va tripler salaire à policier pour pas galvaniser Balonga Bitumba. Diabanza Kagame, tout ce que Kagame dit n'engage pas le Congo. Kagame ne nous intéresse pas. Si Kagame a eu courage et a koloba lelo, il a cause ya bino. Diabanza, au zaka na stade des martyrs, mokolo Kagame ya awa na kisasa. Il dépasse beau dérouler tapis rouge na stade des martyrs. Bobi pa ben ango stade des martyrs pour nini. Ba martyr wana Pentecôte, c'est comme Mobutu a bomaka batonga stade wana. Et stade des martyrs bino bo déroulé tapis rouge na Kagame. Pour na makolonaye ya makila, oya boma plus de 12 millions de Congolais, a pangusango suka na tapis ya rouge ya ba Congolais. Na monaka diabanza akobeta maboko. Yo nani, oboya Kagame, yo nani, oboya Kagame. Kagame a kiko s'incliner devant corps ya papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba.
L'IDPS, vous avez posé un sceau de l'infamie à Kinshasa. Et ça, on dirait Hitler à côté de la ville et à Paris après que De Gaulle ait libéré Paris. Pouvez-vous imaginer Mitou Yaba français que vous avez dit? C'est l'IDPS qui a donné sens et sens à Kagame dans ce pays, dans cette ville. Félix est allé passer 12 jours à Goma après avoir décrété l'état de siège pour nous préparer à arriver à Paul Kagame à Goma. Il a attendu Kagame à Goma pendant 12 jours. A déroulé le tapis rouge à Kagame à Goma. Après lui avoir déroulé le tapis rouge ici à Kinshasa. Le lot que le baké faillou a discours, moi, à Kagame, les Congolais ne sont pas bêtes. Oui, je comprends que IDPS n'est maman dans le Kouta. Kagame a plutôt Kabound a commis les guides pour connaître l'IDPS. Avant Kabound à côté de la prison à Lobaki, vous voulez connaître l'IDPS? Trois facteurs. Il y a le bosso, il y a une maman en mensonge, le Kouta. Il fallait le 500 000 dollars et pas Kabila. Et penge, au Golobananga, il penge à la cravate et au cravate au Kabin, on doit s'embeller. Au Golobao, chaussure, ou t'es pas à Chilombo. Au Golobao, cravate, oh, et puis tu es pas à Félix et moi à Somme qui est pingé dans ma cachette. Ce qui le bikuna bokolobao pour Fayulu fait peur à l'Union sacrée. Fayulu est le seul qui a refusé d'entrer dans l'Union sacrée. Boluka ki bemba, bozui bemba, bo pese ba ministère, bo kabo sopele ba entreprise publique na mutu bemba a sepeli a côté l'Union sacrée à cabina MLC na IDPS. Bozui katumbi, bo pese nyoso, bo. Je ne vais pas trahir ma conscience et les combats du peuple. Le mal reste le mal, le bien reste le bien. Pouvoir à Félix, c'est que l'outil n'a volonté à peuple. A accompagner Félix dans Moussala Yohanate. Le lot où nous en sommes. Mais, tu as dit que tu as dit que non? Babi, mbi se landakobe, et c'est que Maïko Tchoula. Maïko Tchoula est dans l'Union sacrée. Tous les voleurs, tous ceux qui ont volé de l'argent de l'État, sont à l'Union sacrée. Tant que nous avons trois personnes, nous allons faire l'État ou l'Union sacrée. Tous. Kabila, mais tous ceux qui ont volé avec Kabila, ou l'Union sacrée. Ce que l'Union a protégé, c'est l'Union sacrée. Ce que l'Union a protégé, c'est l'Union sacrée. Je vais vous dire que si l'Union a protégé, il y a qu'une Union sacrée. Je vais vous dire que le cours constitutionnel et le bio. Kaka kou na bango elo bio, kou ezale e kompetante pou na go juge matata. Apre ba eko tia taliban na kou ya sike, taliban ya lobi kou ekomi kompetante. Lobi kou na kou ango eko loba o, falu, Félix na pa ete li, e ba rezultat ou ba publia ki pe na kou akaleza lo kouta. Donc, koukoum na populisme, mwana te paske. Il faut chuter, prince Pélié. Il faut chuter. Ce que je voudrais vous dire, c'est que le Kolabolouba qui n'a peuple congolais pendant 4 ans, que Kagame est l'ami de Félix, c'est ce qu'il dit. Kagame est votre allié. Le Kolabolouba Kagame a comme ennemi. Bon, on ne peut qu'expliquer le peuple. Nous sommes d'accord pour l'unité. Mais vous ne pouvez pas. Félix arrive au pouvoir. Tant que Kabila a nommé, discours, Kagame a allié Nangaï. Kagame a moninga Nangaï. Il y a Kagame Baza à tout moment dans la conférence. Baza a bête dans ma boîte. Félix est allé au Rwanda, maman. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit que Bato va koufa na est en boka na biso, va koufa likolo ba dégâts collatéraux. De quoi dire Banza? Je te connais un intellectuel de haute facture. Vous êtes un jeune comme moi. Ce que Félix est en train de faire aujourd'hui, ce ne sont plus des erreurs, ce sont des fautes. Et quand il y a des fautes, on bat. On bat. Monsieur Félix Tshilombo est allé au Rwanda, il a dit devant les Rwandais, les peuples rwandais, que la guerre de l'Est est avant tout l'affaire des Congolais entre eux. Et que les gens qui meurent au nom qui vous aussi, qui vous est, sont avant tout les conséquences des dégâts collatéraux. Est-ce que vous pesez, sous-pesez ces mots de Félix Tshisekedi? Et vous voulez que le peuple vous suive? Yo, qui est dans Rwanda, au lobby, qui est au nord, qui vous est qui vous est, qui vous est, qui vous est, qui na ba dégâts collatéraux, c'est-à-dire que ba bomaga bango ba la mokote et zo beti na nzete li, ça c'est décoché et ko beta moto. Et ça, un philosophe américain ou alobaki, tout celui qui oublie son passé
est condamné à le répéter. Madame Nadine, émission a eu un caractère pédagogique. Moi, nazar okula ndeko nga jabanza te atoka bosa ni science na ye ngai na kubosa na science te tozali na 2012 yoka o ide pesa lobaki moto ayebe sika wutite akoyebe sika okenda te. Nous sommes en 2012, nous sommes le 6 septembre. Il y a une déclaration à l'IDPS. L'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS, a acquis ce jeudi 6 septembre le président de la République, Joseph Kabila, de haute trahison et a exigé de les déférer devant la justice congolaise. Les partis de Tshisekedi reprochent à Joseph Kabila d'avoir signé des accords secrets avec le président Paul Kagame du Rwanda. Le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, a nié l'existence de tels accords, accusant à son tour l'IDPS de faire la propagande de Kigali. Pour l'IDPS, Kinshasa a caché au peuple l'information relative à la présence des troupes rwandaises sur le sol congolais, faisant croire qu'elle s'était retirée. L'IDPS constate que le pays a été tout simplement trahi. Le maintien sur le territoire national d'une armée étrangère à l'insu du peuple congolais constitue une complicité avérée de M. Kabila, a affirmé le secrétaire général intérimaire de l'IDPS, Bino Mavungu, lisant la déclaration de son parti devant la presse au siège de l'IDPS à Kinshasa Limité. Merci beaucoup. Non, s'il vous plaît, madame, je suis fini. Merci beaucoup, Mouala. Ça, c'est Yaliboso, na vous dites que vous êtes. Oh, l'ingotang, la déclaration, la bangonia, soit 2012. IDPS a effacé mémoire en aïe. Yo, comment le comment mouke? Wana radio kapi, hein? Yoka deuxième déclaration. L'opposition congolaise veut une mise en accusation pour haute trahison de Kabila. Une vingtaine de partis de l'opposition de la République démocratique du Congo a demandé qu'une mise en accusation pour haute trahison soit lancée contre le président Joseph Kabila suite au regain d'instabilité dans la province du Kivu. Nous sommes en 2006. Voilà, merci ici, beaucoup, Prince. On va revenir non, après. Une seconde. Ici, l'IDPS, en 2012, Azak a accusé Joseph Kabila de haute trahison. A Sengi Parlement a destitué Joseph Kabila pour la haute trahison. Pourquoi? Pour Joseph Kabila a signé un accord secret dans M23, à cause de ça qu'il va militer rwandais. Na Ouganda, na Mboka na Biso, sans que peuple aïeba. C'est exactement la même chose que Félix a fait. Il a fait entrer des troupes rwandaises. Il reconnaît son discours le 22 novembre 2022. Il a signé des accords. Bino Botuna ka ba député en a parlé ma. Ba député ba bi tous les accords Félix a signé ba Rwanda na Ouganda to muti ko monate. Kaka makamboyo IDPS. Na papa tchane tsikiri wa mun ba reprocher ka Kabila. Kaka makamango tango Félix aïe ko sala. Tango aïe le 28 octobre 2000 19, il y a quelques mois, on a 1,23, à l'objet, à quoi intégrer Bango na Congo, à quoi intégrer Bango na gouvernement, à quoi coûte sa bonne armée. Aïe, à sa mutualisation des forces na armée rwandaise, à quoi si Bango na Congo, sans que parler meba, sans que former na peuple. Quand c'est la même chose. Donc, merci, ici, Prince. Merci. Ça, c'est ça qu'on dénonce. Merci, Prince. On doit donner la non, parole. Nous n'avons rien à voir avec Agamé, mais Bino y dépresse. Bota la cima. Bozonga Batou. Merci dans beaucoup, Pengue. Merci. Vous avez commis des fautes graves. Et quand on commet des fautes, il n'y a pas d'excuses. Ok. Donc, la personne de M. Félix Tshilombo est fautive dans cette affaire ici. Voilà pourquoi j'ai dit au peuple congolais, nous allons rester soudés. On doit terminer, Prince Pengue. Mais quant à M. Félix Tshilombo, tout ça qu'a exigé, d'ailleurs, il y a un catholique qui va s'engager.
Monique Yaza Koloba, Bino Lamuka, s'il vous plaît. Les catholiques ont demandé. S'il vous plaît, Prince Epengue, merci beaucoup. Les catholiques ont demandé que vous vous annulez tous les accords qu'il a signés avec son frère Kagame. Merci. Allons, Golamboka, Namson, à EAC. Merci, Prince. La communauté pays de l'Est. Diabanza, c'est la même chose que Martin Foy a demandé. Merci beaucoup, Prince. Merci. Vous avez la parole, Diabanza. Je crois quelque part. Azu pratiquement 14 minutes. Mm. Et dans 14 minutes, on a eu Azu. Otala, Baloukouta, Oyabeti. Moi, j'estime quelque part, je réitère en premier lieu ma proposition. Bolongwa na haine à la personne du président Félix. Na question Oyo Tounie, Pona Nini, Kagame Ucholo Bande Kaka Siko Makamba Belection, Bandaka la Lobagite. Ote, wana te le problème. Te, le contexte et le texte est alors important. Toye ba pona ni na diego lo banangongo. Ayeko lo banangongo, ndenge moko na mwana mboka Martin Fayulu, sans avoir de preuves attitrées. Fayulu est chez lui ici à Faden House. Le président Félix, dont son discours n'a pas remporté les élections. Ayamba, collègue na yo. Ndeko Christian Lusakweno na kachanda kuna Faden House abiso to si dise mission oyo na relation ba preuve nyonso alaxa ba preuve te aye devant la justice congolaise apesi trois résultats 6 millions oyo bandimaki na suka apesi 13 millions oyo e utaki na mwana mboka comment il s'appelle déjà, Azaï Kona, coordonnateur, il y a Dynamique Nabango, professeur à l'université, ministre à l'époque de Kabila, je crois, de mine. A Pessie, à Ibikombouana bien déjà à Mutunatangi, et leur avocat. Trois résultats. Pour une vérité qui s'avère vraie, Yebaka, la vérité n'était diverse pas. Et Zalaka, conséquent. Il ne suffit pas de dire que j'ai remporté les élections, il faut le prouver. Mais devant Awa procès totalaki, aucune preuve. Baye, na ba papier de toilette, na moutou, po baya kouye bisabato, que nous avons de preuves, pendant que il a des éminents avocats, oh baye bis, ce n'est pas sur le banc qu'on amène le preuve, et pèse à maka déjà, même na partie défenderesse, partie au Yofundi. Mais malheureusement pour nous, ce qu'il était en train de faire, c'est un théâtre, comme mon ami Epengue tente de le faire aussi aujourd'hui. Et le même discours a été dans le monde, mais pas sur Nayoki, Naroyoke Penge, politicien d'avenir, Kobeta Lisolo, pour la première fois, Union Europe, Union Africaine, et Yekoloba na Congo. Mais Union Africaine, on est Yekoloba na Congo. Tant que Yekoloba, Kagame a déjà été élu deux ou trois fois. Pour la ligne Yekoloba qui pas n'a été parlant de ses élections. Il a été bien élu. Union Africaine, wana, oh Yalingatan à Dos Santos. Dos Santos wana na Union Africaine et mona ki belection pa na été Union Africaine wana ya tangi et mona ka présence sa soute mon frère soyons sérieux la crédibilité de la structure qui est en train d'alléguer ba fait est réellement importante mais tant que nous obéta l'isola Union Africaine yo moko pour insister pour la première fois Malaisie comprendre ça n'a rien à voir avec l'Union Africaine c'était une stratégie définie pour le contexte, afin d'atteindre d'autres objectifs. Ça n'avait rien à voir avec l'Union africaine. Pour ceux qui ont réellement l'Union africaine, il y a Betty pour la première fois. Et il y a eu Bandango, il y a eu Moko Kagame, pour l'accès à l'élection, et ça sera crédible. Et tu as eu c'est un sanguinaire. Il l'a dit. Et il reconnaît que chez l'élection, ça a raté. Mais Kagame a eu souci. Il y a eu l'Ukab l'élection, et ça ne m'a pas moutou moussous. Il cite Dos Santos. Pas na élection à la rater. Mais oui, souci, il y a élection à Congo. Mais ça me fait très mal, mon frère. Allez-y comprendre. Et tu le dis très bien. Je suis d'accord, le complot est international. Il le dit. Mais de ce complot international, quand il commence à évoluer, rien à voir dans le complot international, complot comme il y a Félix. Azon dit, il y a une conclusion. Complot international. Jeune Afrique, Moutébeta qui dit solo. Il y a pourvoyeur, il y a bloc patriotique, et ça qui Kabila. Nazo beta ma solo te, oh, on a la logo tina barabara. Et ça, jeune Afrique, mouté beta qui li solo, il y a pourvoyeur, il y a marche, il y a bloc patriotique, et ça qui Kabila. Mais ils ne savent pas qu'il y a jeune Afrique, bafunda, eh. Et n'est-ce pas, awa, et l'autre Kabola, bangona Kabila. Et l'autre Kabola, bangona Kabila. Naba catholique, et ça, hold up. Il y a Congo.
tant que ba papra soane bimi ozo la tsane kabila zoyi bambongo ba brakaka banque. Mais ici ce n'est pas la banque, ce n'est pas qu'on est en train de braquer une banque, mais les banques sont en train de braquer l'argent du trésor public. Soni wane sa ki ba catholique na monde entier partout bozo tambula ndeni boko sangana na mutu a braquer trésor public yango catholique azonga mukesima. Mais il est en train de citer les catholiques. Mais les catholiques aujourd'hui, leur crédibilité par rapport au discours. Et comme ils, les Congolais comprennent qu'ils ont un discours très ambigu. Les gens comprennent. De la même manière, le président Martin Fayulu, le discours du président est très ambigu. Comment? Quand oiseau bête à ma solo. Mais c'est ça, ma soeur. Le président Martin Fayulu, a zara qui a lobby. Catholique, Seigneur bête au suspendre participation à la RSC. Tinakati a francophonie. Il a évité que catholique, une marche, il y a présent. Il y a Ade Kongo Libanda, Bazo Ganga, Awa, na place na Bango. Il y a siège à Katolia Senko. Ndeko na biso ya Abe Chole, a kotina document, oh le peuple congolais est dehors. Le peuple congolais, comme Gaga, est sidé na Ade Kongo. Mais c'était malheureux. Les gens lui ont dit, le peuple congolais, c'est cette partie des gens qui sont venus réellement vous donner ces documents. Nous le savons. Nous le savons. Et nous le savons. C'est discours ambigu. Et tu sais, tu as difficulté, même lorsqu'on est en train de faire ici sur votre plateau. Dans la Nissango, quand tu as bécholé, il y a un smartphone. Tu es bien, où il y a un smartphone. Nous comprenons tout ça. De ce complot international contre le Congo, complot Anna, Banga Basalango contre les élections. Mais malheur, il y a Batounyonso, Bakoutani na mur. Mur Wanzanini, UDPS. Et c'est l'UDPS. Mur autre, ça dit que le complot international est banako échoué dans Mbokoyo. Obey UDPS. Bien sûr, en premier lieu. Ponanini Bisso. Landanga bala mou maman. Ponanini Bisso. Nous avons des militants les plus engagés du Congo. Wana na landi li soussou. Moutoumoro la mouka golobango. Ndeko. L'ancien premier ministre Adolphe Mouzitu. Moi, l'amboka, bati pa, kenda yekotia, nini, soutien na yena katia marche. Hein? Je n'en dis qu'on fait pas. C'est son point de vue. Mais na yebi sio li solo. Oh, mire, bolobi, obé, il na yebi sio li solo, oyo, mire ya mounene ya Congo, oyo. Ndeko Adolphe Mouzitu, à l'obango sur le média. Le combattant le plus engagé ya Congo, ils allaient rabattre à l'UDPS. Et si tu as des combattants comme les gens de l'UDPS, ils ont difficile quand vous levez les options pour échouer. Et la preuve à mon ni monani awa, na Congo ne lokoana, c'est l'affaire Ronsard Malonda. Lucha, et bima les 7 juillet, bisoto bimi 13, après nous, président, Yalamuka ba bimaki, basukagi na chango. Après nous, CLC, après CLC, PPRD. Biso sur le 26 provinces du Congo, 21 en ébullition. Bino bo bimaka apamba la Kinshasa, ba marche moussous bo reporté. Oeza en différé. Mais l'initiative de la marche à Senko, avec qui m'a l'amour? Bien sûr, c'était pour le Congo. Je ne dis qu'on vient pas. Mais non, on a la marche pour le Congo. Tu si tu as la marche pour la Russie, tu as la marche pour la France. Il y a de marches pour des intérêts. Il y a de marches pour des intérêts partisans. Ça arrive. À toute partie politique. Ça arrive. Il y a de marches pour des intérêts partisans. Mais il y a de marches pour la retombe. Il y a de marches pour intérêts talipartis. L'idée parti à Yébisi Bino mérité te à Nelo Kao poursuivre. Balongo li tom sou tata na yazo koko jere te quelque part. A dit président Assemblée nationale, au moins un chef a parti à Bandio Leka, à Bandio attaquer régime parce que aza frustré. Ça n'a rien à voir avec l'intérêt de la République, ça arrive. Ndero Lissanga Bonganga, en privé, il a des choses qu'il dit. Ngana moni ndeko Frank Dion Rotomboka à la plateau na Bino, pour batouni une question, et loko nini ndeko Félix Tshisekedi a changé, oh yo moni fotika. Et nous savons pourquoi il a laissé Peter Kazadier passer sur vos antennes pour vous dire qu'est-ce que Frank Dion lui disait en privé. Mettons en compte à marche. Ou bien pour nous soutenir FARDC. Alors ça, la sous-marche pour l'intérêt à Congo, à comment ça marche, pour nous soutenir FARDC. Et ça arrive, maman. Et de preuve, nous avons besoin de légion. Na robaxa ba lisanga bonganga o na yebisa ope na li solo na beti ya bloc patriotique ton mbongo e bimi yé pas un acteur jeune afrique et lobby principal pourvoyeur ya ba marche ya bloc patriotique c'est monsieur Kabila le mal c'est Félix le bien c'est Kabila wana bango basanga ni nae muto sali hold up a na kati ya mboko yo
Après, c'est venu au pouvoir. Pouvoir, toi, en grâce, il y a peuple. Tolérance, s'il vous plaît. Prince, s'il vous plaît. Prince, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Au revoir, mon gars. Dans sa 82, Kabila n'a pas bandit politique. T'es déjà dans 4 projets de société. Le pouvoir ne vient ni de Washington ni de Tokyo. Et nous avons cru, pendant que Batouba Simbi Mandoki, nous, on a refusé les armes. Et aujourd'hui, le Congo, grâce à nous, l'UDPS, il a rebellé toujours de nous. Notamment, Congo est connaître crise moko récurrente. À ça, la science politique, foyer, bah, on a l'histoire politique du Congo, c'est toujours répété. 1960, président Kasavubu est président et le premier ministre Lumumba. Trois mois après, premier coup d'état de Mobutu, diarchie au sommet de l'État. Deux leaders au sommet de l'État et un coup d'état trois mois après. 1965, président Kasavubu, premier ministre Moïse Nchombé. Six mois après, coup d'état, il y a Mobutu. Deuxième coup d'état, Mobutu, Evandisi Mobutu. 1992, leader Tshisekedi, président Mobutu. Manka Oyo Kanana diarchi au sommet de l'État, coup d'État Muzeye. Mais Lelo, nous avons connu la même histoire. Et le président Félix a été capable de dénouer Kabila sans pour autant qu'il y ait eu coup de balle. Donc, une crise récurrente que nous avons résolue grâce à la compréhension de l'histoire. Tant à l'eau banangaï, tout à l'histoire, tout à l'eau mieux que yé. Tant à l'ingabet à l'isola 2012, il doit comprendre une chose. Nani a tchaki UDPS maïna mounoko, si ce n'est pas Kamere. Il était le président de l'Assemblée nationale. Et en tant que président de l'Assemblée nationale, il nous a dit que l'accord était secret. C'est l'institution qui est en train de parler. Nangongana, ce n'est pas nous qui parlons en premier lieu, c'est l'institution. Il a été déchu de ses fonctions à cause il y a Krizouana. Et nous, nous avons parlé pourquoi. Lui qui devait avoir les informations à FC Bissot, l'accord était secret. Et il est en train de comparer l'accord de Goma qui s'est fait au su et au vu de tout le monde. Et le président vient de le répéter encore. Nous n'avons pas honte de le dire. C'était un accord en échange, à échange économique. Nous avons compris que nos frères de l'autre côté veulent quelque chose par rapport à nos richesses. Or, Bissot, Tosorolara na Dubaï, Tosorolara na Grande-Bretagne, Tosorolara na Chine, Tosorolara na Italie, to yebisier désormais ça la raffinage ya or yo sokolaka. Et sozo sokola or or et komi ayote, sozo sokola or et permettre onde mbongo oyo mutoye ko futa, po sokola or naye ozoa quelque chose. Mais kendara Dubaï et kendara ni on avait pas de raffinage ici, le tout premier salami na Bukavu. Et tant que zo linga to faire profiter eloko wana, ezapo on avait réellement besoin de la paix et c'était cet accord avec Sakima. C'est de cet accord yawonde to zobe tali solo. Accord, il y a Air Rwanda. C'est cet accord là dont on est en train de faire allusion. Mais malheureusement, il vient de parler des accords qu'on n'a jamais vus avec le M23 2019. Oh jusque là, yé na za otale na TV. Accord ya Kabila na président Félix. Na ba toi PPRD, na bango, nan ba brandisate. Mais moi la mboka di ya bande, les kambo ango ya ya Kagame ya les kambo ya lingi penza ko zo contrôle sur le plan politique, économique ainsi que militaire ya parti Est et République ya li malamote. Les alliés na besoin ya richesse. Na la ki su eloko moko ya important par rapport à notre histoire que Mobutu avec Kagame il n'avait aucun accord. Mobutu, Guérome, te l'on lié na pouvoir. Et Mobutu a négocié avec le président Mouzé à deux reprises, ou Tenika 1 ou Tenika 2. Malheur, il n'avait aucun accord avec Kagame. Le complot était défini à partir de l'Ouganda. Et en Ouganda, ils avaient déjà décidé, appui à Belgique, et à cette époque de la transition, Moutalanda est déjà politique, net, il y avait la Troïka ici. Et la Troïka était en train de gérer le Congo, net, ma proconsul, mon corps. Belgique, France, États-Unis. Et ils avaient décidé de la Troïka, pourquoi? Ils étaient en train de dire que le pouvoir de Mobutu, et ça a été de plus en plus difficile dans la gestion, il fallait voir dans la mesure de, du possible, n'engani ni droit de l'homme, et ça la respecter. Mais bah, encore, ici, ce n'est pas une question d'accord. C'est une décision extérieure contre nous. Et de cette décision extérieure contre nous, depuis Mobutu, Kagame n'avait aucun accord avec Mobutu, mais il a fait mal à ce pouvoir, et le pouvoir est parti. Et on a mousé, Oyo Kagame sala qui n'est produit naé a commis awa. Tant a commis awa, mousé, à la fin il a fini par comprendre quand la corde patriotique et la mouki a katana Kagame. Mais c'était difficile pour lui, la guerre l'a emporté. Tant où il y a Zobet Alisola présent Félix, pour refuser l'histoire, il doit comprendre tout ça. C'est une question d'un complot
international. Et de ce complot international, ce qui va congolais, nous comprendre était que les gens en veulent à nos richesses. Il y a un vent d'Israël à prisme à caractère politique. Le Congo risque encore de sombrer. Il faut Nekoyo. Ayaka Mingi n'a pas de proposition qui peut permettre au Congo d'aller de l'avant. Et c'est ce que nous, nous étions en train de faire à cette époque-là. Pour proposition, il y a accord global et inclusif. Et ça fouille, il y a Bissau UDPS encore une fois de plus. Kokende San City, c'est nous encore une fois de plus. Pour Baronyoso, Bakendaka Éthiopie. Et c'est le président Tshisekedi encore une fois de plus dans son génie, le président Tshisekedi Wamulumba, Moutouyaraka la solution. Et l'accord a cessé le feu. Il y a Lusaka et Salaki. To signé naba rebelle na ba pays voisin. Mais cette fois-ci, toke Nairobi sans ba rebelle. C'est déjà un élément de taille. Et de cet élément de taille, ton bazo beta disoula. Bah, tu aurais payé qu'on continue kaka, hein? Bien sûr. Tomoni, pas si la bissot. Pas si la bissot. Voilà. Et dans les démarches, nous voulons réellement encore des enquêtes pour Makamba qui cherchait et permettre que bah, responsable base à l'indexer et poursuivi en justice. Nous sommes dans tout le front. Oui, et de tous ces fronts-là. Nous sommes bien à défensive. Et de... non, parce non, aux non, actions, non, non, même non. S'il faut bombarder les lois. Les lois sont au bête à l'isolo. Tu as lu au bête à défensive. Nous t'as commis réactionnaire, c'est Kagame. Il est en difficulté. Kagame parle peu. Nayo qui soupasse Ndegonara Koloba pendant que le président Tshisekedi était mort, le président Tshisekedi Wamulumba, le déplacement d'un président de la République ici. Batiela est tapis rougité. Ndenge to tiela ki Kagame, ndenge to tiela ki Sassou. Et il ne cite qu'un seul nom. Atangi bakomba ba président Moussouste, o ba sala déplacement. Po ba ya ko, ko honoré mémoire, il y a un guerrier africain. Quand j'ai dit guerrier, guerrier en termes de Kagame était sanguinaire. Un guerrier de la démocratie qui nous a appris à être combattants. Ba ya ko honoré, ye po na ye, il fallait ba président na ba ya te na kacha matanga. Il y a une sagesse africaine qui dit, même quand l'ennemi vient te voir pendant le deuil, bah, embaraillé. Ça, c'est une sagesse africaine. Mais nous avons levé l'option de collaborer en termes de change économique. Et le président Félix Tshisekedi a dit au président Macron, j'ai pris le risque, il y a qu'on m'aimait Tinagoma, place à Salaramabe, Poto Lukana Kimia, Ndengenini, Mbokana pu se connaître paix. Mais le frère n'a toujours pas compris parce que pour lui, il faut avoir la richesse, na biso na lolenge ya lingeleli. Cette fois-ci, nous allons jusqu'au fond. Et na rokende na fond. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque, la République démocratique du Congo, par exemple, de massacrer Nangamboku na yarwanda? Toti kala rosa la ngote. Bandeko ya Goma, baza bandeko na bandeko ya Rwanda. Personne ba uti ko bandeko ya Rwanda, vous ne pouvez pas demander au Congo d'agir dans la barbarie. Pour Rwanda, zo sala barbarie. On ne peut pas. On a un problème contre Paul Kagame et son régime. Nous est la chef de l'État annonçant officiellement. Nous devons nous défendre. La guerre, ça sera contre l'armée rwandaise. Et non contre le peuple rwandais. Guerre et Ali. Na komona déjà boyali. Nenga toza boye. Ah, Matalikolo, Assemblée nationale, à l'obatoni. Talaba patozui. Talaba patozui. En premier lieu, na mouze, babenga kiango, rébellion à RCD. Et na Mobutu, babenga kiango, rébellion à Fidel. C'était difficile, Rwanda monana. Na mouze, rébellion à RCD, Rwanda participait d'accord à Lusaka. Na Kabila, rébellion à y a CNDP, rébellion à M23. Mais aujourd'hui, le monde entier est en train de reconnaître que le M23, même Mouto analyse né de fois, et zo vacillé pour la simple et bonne raison, en a prise maintenant zo talala, a zo reconnaître que, et ça Rwanda, Mouto zo sala mal na Congo, par le M23. Voilà, et partant de ces éléments, partant de ces éléments, nous avons déjà fait un pas. De ce pas, tant Anthony Blinken a commencé à Rwanda, cesse de soutenir, c'est encore un autre pas. Tant Oulelo, le député européen, est en train de dire que il nous faut des sanctions contre le Rwanda et non contre la RDC. Alors, ben, moi, côté Tommy Balete, et bien sûr, je suis raison avec lui. Que voit je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. L'ambassadeur de la culture congolaise, Ndeko Gims, a porté voix. Nous allons prendre voix. Porter voix pour à la fin, Tosuka na position au Congo Mobimba. Et il y a déjà banda. Ennemi identifié. On souffle un peu. Alors que les autres politiciens restaient dans leur bureau climatisé, les dimanches, Ogui Kalonji, avec sa fondation Fouca, ont inauguré un pot
un pont à Kansita et procède au lancement de l'implantation des lampadaires à Tchangou. Et c'est tellement encore conflit de quoi monte. Plusieurs personnes continuent à perdre la vie. Les sources contactées affirment que les faits seraient commis par les hommes en uniforme envoyés en renfort pour stabiliser cette partie du pays. C'est un pari gagné pour Ogi Kalonji, qui ne laisse aucun centimètre de sa circonscription électorale dans le désespoir. Touché par la misère que traversent les habitants du camp Seta pour se rallier en passant en bienfaiteur, et cela sans tenir compte du gouvernement de la République, Ogi Kalonji a, avec ses moyens propres, construit ses ponts pour permettre la traçabilité et passage de ses habitants. Prenant la parole, le surnommé Papa Terre Jaune a demandé à cette population, venue pour la circonstance, un bon usage de cet ouvrage, qui s'ajoute aux tant d'autres construits durant l'année 2022. Ogi Kalonji a demandé à sa base de renouveler toute leur confiance à Félix Tshisekedi pour un second mandat. Il a tout de même invité la population de cette contrée au soutien tous azimuts, au FRDC engagé au front. Ça m'avait touché après avoir vu cette image via un média de la place. Nous avions décidé qu'il fallait ériger ces ponts pour permettre à ce que cette population puisse au moins traverser cette petite rivière sans être inquiétée. Nous avons besoin de donner encore une chance à notre président de la République et à ses députés. On a besoin de leur donner la chance de revenir et surtout d'apporter des réformes nécessaire pour le social de notre peuple. Voué au service de sa population, Ogi Kalonji est allé ce même dimanche procéder au lancement des lampadaires dans certains quartiers de Tchangou en vue de répondre favorablement à l'appel du chef de l'État en implantant sur fonds propres l'éclairage public. Bon, en fait, c'est mon ami dans ma casse. Pour les députés, c'est un rare. Je ne vais pas rappeler pas comment. Mais il est un homme d'action. Donc, ce sera le lobby, il a réalisé. Sur place, les mamans, jeunes et vieux, témoignent leur reconnaissance à leur élu qui est toujours proche de sa base. Ce sont des révélations macabres que font ces hommes et femmes venus fraîchement de Kouamounte. Témoin d'un double meurtre, une femme dit avoir perdu son mari et son fils tué par les militaires à une barrière lorsqu'il quittait le coin sous menace. D'après ces déplacés internes, les tueries actuellement seraient opérées par les hommes en uniforme, incités par les élus du coin pour éliminer les Yaka. Une information non encore confirmée par d'autres sources ni les canaux officiels. Mais d'une seule voix, ces déplacés de Kouamounte disent en être témoins sur la barrière de Machambio à 125 km de Kinshasa et celle de Kinsele à 80 km de Kinshasa et 280 km de Kouamounte. Ici, les militaires ont érigé des barrières, tout passager est identifié. Un teke passe, mais les Yaka, son sort est défini par ces hommes en uniforme. Des actes d'assassinat et de violence ont été prémédités et préparé d'avance par la communauté Teke. Au travers de la réunion tenue à Machambio en date du 25 février 2022, à ce village ont été chassés les Yaka et ce village constituait l'un des abattissements à la menace et à l'incitation de haine tribale auquel il fit ajouter Kouamounte cité. Il faut signaler que la situation serait déjà stable dans le Kouamounte, mais reste encore critique dans les villages environnants, nous a confirmé une source sur place. Voilà, merci beaucoup Félix Kalambay. Moi, Lamboka, Principe, nous sommes arrivés presque à la fin vraiment de cette émission. Nous avons suivi tout à l'heure un co-débatteur Nayo, Diabanza, Lolenga Lobi.
C'est vrai, par rapport à la marche, est-ce qu'il faut, il faut suffisamment de marche na kati ya mboka na biso pour faire entendre la voix? Est-ce que marche wana senko ezala ki na impact? Et Diabanza a dit les catholiques ba ina discours ya li en bugue. Martin Fayoupé a yo ben a discours moko o ya li en bugue. Mo na mboka. Madame, wana ezali moto alobi yango. Discours ya ambiguïté moko ambiguïté ali tena discours ya président Eli Martin Fayoulou, discours na ali tellement clair comme l'eau des roches. Mais tout dépend na lolenge ya ko sur le discours yewana. J'ai été très factuel. Na ke na populisme te contrairement à nde konangai diabanza. Na oti ko tangela yo awa oye zaki discours ya IDP setanga zaki n'opposition. Bobo sanaka te ke Félix zaki n'opposition. Et tant zaki n'opposition, IDP sa saka mokanda pou pa mettre en accusation Joseph Kabila na 2012. Opposition mobimba plus de 27 partis politiques de sa déclaration. Rémi Massamba Moutassine quand on peut na IDP pour na koloba Kabila doit être mise en accusation pour assigner ba accord na Kagame. Kagame azali moloki, azali mobomi. Pourquoi Kabila assigner ba accord na 2012? Mais IDP c'est ayé na pouvoir na ndenge ya kimoyibi. IDP ça a bandi ko répéter ka les mêmes fautes au Kabila commenta ka. Na kokota na oyo alobaki te na le sina yetsa ki bato awa soko lingo ye ba IDPS kota na lokuta Jamais Kabund président ya IDPS fondateur ya Union Sacrée azana makala na pese mbote victime ya état de droit ou état de non droit malgré arrêt oyo bimaki te batia ye na résidence surveillée Kabund a toujours na prison Jimu Kendia na prison. Ba sambisi ete, ba kangye na anel, azawana. Ba militant à la Mouka, bazana prison kuna. Je pense à parlementaire de Bouya la Mouka, bazana prison kuna. Jamais Kabunda lobaki. Soki bolingi boye, ba IDPS, eloko aliboso lokuta. Kuna nde lokuta nyo se wutaka. Di sommet à la base, ko bana la présidence, ti na 10e ri. Masonge si masonge. Omoni Mikolo. Tant que le docteur Mukwege a fait une salle d'interview, mingi a fait une salle d'interview, le docteur Mukwege a fait un Burundi. Sous ce, IDPS. Motonyo so azali contre le lingue IDPS a fait un Kambamboka, azali congolais. Ma kamwaza koloba ba 500 000 dollars ya la muka, tout ça c'est faux. Pourquoi qui pas Kabila? Batuba yebete. Kabila alongwa na pouvoir à mama. Kabila kope sa moto mbongo te. Mbongo yande ni nyo sake. Bemba landi nyo sake pwane. Ya ina mbongo souta, ina mbongo. Kabila akosa na ayibi mingi, de milliards. Ma kope sa moto mbongo te. Mono soka alongwa na pouvoir apesa kasu moto mbongo te. Ce qui toi qui n'a besoin en falanga tonga do kende na inyo sacré pour te bete kuna falanga yali tous les kabilistes menda lo bakaboy kabila yebisi bango abibo kota inyo sacré wana lambe menda albi kabila apesi biso order abito kota inyo sacré. Je vous dis que Félix na Kabila basolo ka kitoko ino aucun problème kaka bango batolo ko bango bato ba musika bazaka kuna na président c'était de ba ko loba makan n'importe quoi. Kabila et Félix sont toujours ensemble. Comme tu as soupçonné que Félix et Kagame, bitumba neza mitumba baloba. D'ailleurs, balobe te, koswa neza li pipi alibala. Félix alobi Kagame aza ennemi. Kagame alobi Félix alonga ki ma ponomite. Wande l'accepte ki amitié na mango esili. C'est pas suffisant. Toye bisi awa Félix. Kanga frontière entre Bissona Rwanda. Parce qu'alobi Kagame est notre ennemi. Mais entre nous et notre ennemi, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que Bika ambassade à Rwanda, malgré que Bika ambassade à Rwanda fonctionne-t-il? Ba contrat, ba accord économique. Gouvernement a une décision et a suspendre yango. Pourquoi? Pourquoi suspendre? Ba annuler yango. En termes de signe palpable, rien ne nous indique que Félix a se séparé na Kagame. Rien. Ils sont toujours ensemble. Gegero, ba comme nous n'avons maloba, rien ne nous indique. Maman. Oya bwaki wana pe kuna bwaki
Bambwa kela maloba ne suffit pas. Je vous dis que Kagame Azali président au Félix Yambi koleka président Nyos. Au comment la conférence bo baumi balé Félix a passé le boko na moi si grand appelé sur mon bal. Basimani na le boko bo va na kiti basimani na le boko bo mama. Alias makasi ne gane ko kute beba na maloba. Et qui vous dit pas que maloba n'est à jeter? Tout ça ensemble que tout soit. Oh! Mama, en politique tout est possible. Donc au moment que hier Azako distrait biso, Fayulu Kabila bo papa. Mais bino bo comme si Kabila lelo. Kabila za à l'aise lelo likolo na bino il est. Parce que vous ne gérez pas plus que Kabila. Vous n'avez pas fait mieux que Kabila. Bolobe okanga ba kacho ya ane, ba kacho ya ane lelo etondi na bato na kati. Tozaki na bosolo semaine passée wana sango. Wagi sango scandale ya plus de 100 millions de dollars na katanga. Na entreprise minière kuna na katanga. Régime na bino. Boko sala sambla ya kokanga miibi, botie bango na prison 2 semaines bobimisi bango. Donc, lelo ba kongole ba kolobome na bino na Kabila. Différence ezali wapi? D'ailleurs, ceux qui battent bino temps, vous allez faire même pire que Kabila en termes de Kimoui bien falanga. Donc, biso tozana Kabila na lien mon côté, tozana Kabila na lien mon côté. Bloc patriotique, yes, na ebi méthode clouer na ebi ango. Ça c'est l'idée pèse. Alors biso ko lingo ko salikambo, répétez ango plusieurs fois. Babi, un maçon j'ai répété plusieurs fois fini par prendre la couleur de la vérité. Le kuta ou ba répéter mingezo ka couleur ya eloko ezali solo. Yango moni bloc patriotique, bloc patriotique, bloc patriotique de salaka yango. Pona kosala ba marche pour nous avoir les formes na scène. Toko sala plateforme mon côté d'église catholique. Toko sala plateforme mon côté na église SCC. Tango de sala na ka IDPS na église catholique. Toko sala plateforme moko na bango 2016. Au jamais Kabunda le baka était église catholique avec na 50% ba militants. Biso bitu yaka na 50% ba militants. Toko sala classe bloc moko na bango? Non. Alors, pourquoi ndeko jabanza Azali koloba ete église catholique bana discours moko contradictoire? Non, bravo na baye catholico ngana respecta ka bango pambate mukula lomingo oyo boye moni beguise de réveil nyos bazaki na kati mboke zoke na beguise de réveil babi bakosambela. Oui, to kosambela zali malamu parce que la dimension spirituelle est importante, mais il faut qu'on bimananze la soko moni lelo ba mindele ba bandi ko crier ko konan ko condamner. Malgré que l'agression, Rwanda a retiré soutien à eux. Parce que nous, on veut pousser les Occidentaux de parler de l'agression. Or que tous les pays occidentaux ne parlent pas encore de l'agression. En tout cas, dans la relation internationale, chaque mot a un sens et a des conséquences. Il faut qu'on ramène les Occidentaux à l'obake. Le Congo est agressé. Et non, Rwanda a retiré soutien à eux. Ça n'a pas de sens. Et c'est le peuple. C'est le peuple qui va faire la différence. Bravo aux Congolais de la diaspora, là où ils sont. Partout où ils sont. Bravo à Bana Kassai, Bana Équateur, Bana Bandundu Bakongo, Bana Sankuru, Katanga, Manyema, non, Kivu Sud, Kivu, Bana Province Orientale, Bisso Banso, Congo, Nenge Président, Elia Lobaga Congo, Ikolobo, Moko. Nenge Toko, se mobiliser. Attention, qu'on décourage les Congolais. Parce que ce que le bien de ma Congolais, ce qui va marcher pour nous soutenir l'armée, vous marchez contre, vous marchez pour la Félix Tshisekedi, le Congo va se décourager. Les Congolais n'ont pas envie de marcher pour Félix Tshisekedi parce que Félix Tshisekedi m'a tiré bango na ba les camarades. Parce que Lukaku qui va conzi, Nandenge y a bango 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 et il a signé n'importe quoi. Mieux surtout bah personne qui a signé kakabo va tiendre mon conzi. Félix avait besoin que Kagame le stabilise après que Félix après que Kabila allait donner le pouvoir. Tango to marche l'église catholique lobby. Alors bien mobilisation c'est qui faible. Non papa. Nanga na bimage na tindela kio mamelo na tindela ko bimage. Yo moni tsunami wana na changu. Obika ba beta ma sasa na changu dimanche. Ba be tuna information fa yula ko marche wapi. To ba bika fa yula ko marche na changu. Ba tindi ba policier na changu. Ba sécuriser to ba ro. To ba ni ko marche malamu. Tellement full temps où il faut loyer, full loyer terrible. Oh, Bolongona Boulevard. On nous a contraints à Kolongona Boulevard, Tokota Naruto Mokali. Le président Fayulu a dit, c'est pour les enfants
le Congo. C'est pour Nabana Bunagana, Yakiwanja, Yarutura, Magabo, il n'y a pas de problème. Avec Sibso Boulevard, et si Basango, il n'y a pas de problème. Tokotaka, Namokali, Sika, Tinibiso. Mais malgré tout, quand on a Zera Mokalikuna, Batubazaki tellement belé que Golongwa, peut-être si 800 mètres, il n'y a que les gens. Mais dans Zera Route Mokaliwana. Donc, tu vas déborder, tu vas te faire un peu de temps. Donc, comme il y a un policier sans aucune raison, en doit être en parce que Fayou a fait un peu de temps. Vous avez dit que les zones rouges. Après ça, le président Li Martin Fayou a fait le 13 novembre. Ils ont tabassé des gens. Il y en a encore des gens des militaires de la Mouka dans les hôpitaux. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes là, les 7. Les couleurs à Massas, le président Li a fait le 13 novembre. Mais lobby dimanche, il y a un match chrétien. Mais pourquoi ils ont fait tout pour empêcher le marché. Voilà. La foule était, c'était une foule nombreuse. Des milliers de gens à la Tchango. Donc, bravo à la population, Bayaki, Mokola Lomingo, Maman, Bilingue, Obaïko au marché. Alors, mobilisation sans aucun problème. Les Congolais étaient partout. Vous avez vu à Goma, papa, il dépasse. Bon, ça, la contre-essence, il y a marche, il y a histoire. L'histoire est à marche. Les Congolais veulent se libérer. Il dépasse cette eau calculée binote parce que tu es dans 13 mois pour Zakokenda. Nous sommes sortis pour la nation. Nous sommes en 2004, on était sortis pour la nation. On n'était pas sortis pour Kabila. Armée Zak Kabila, Mobutu, Alobaka, armée Zairoise, Mobutu, Andoti, la Motema, Mobutu, Akenda. Est-ce qu'il y a une armée? Kabila, Kei. Père, est-ce qu'il y a une armée? Oh, Yosef, on a mandé Founaï, Bakayi, une armée. Chirombo dans 12 mois, à Okenda. Bon matin, bon, qui t'a vu ça, va manœuvrer tout au Salawana, na bilan, Oyo. Il faut conclure. Chirombo, Okenda, il faut conclure, mon Lamboka. La Congolais, Babo Sanité, Félix, a trahi Bango, na 2018. Ils ont pas tout à couper, coula, souci, à trahison, Félix, tu sais qu'elle dit. Déception. Kobo Santé, Maloba, Cardinal Mbongo. Plutôt, Cardinal Mosengo. Personnel, Papa Mosengo. Papa Mosengo a terminé à l'objet Félix, tu sais qu'elle dit. Fallait qu'il félicite le vainqueur Martin Fayulu. On n'a aucun de ces gens qui ont été dans la Kingakati. T'as là où le pays est aujourd'hui. Arrêtez de parler de Kabila. Moto moto ko banque sa koma Kabila. Fayulu azana Kabila. Et Penga azana Kabila. Mouzito azana Kabila. Ça ne fait personne. Bah, y'a bête, ce qui dépense, vous l'avez dit, Kavata qui t'a le lot grâce à Kabila. Bon, qu'on somme banda qu'on a limité, mais c'est quand même grâce à Kabila le lot. Bon, bête, t'as dit Kabila, ma boko bino, il dépense. Vous avez trahi et t'as dit, c'est parce que il y a des pouvoirs qui m'ont évité. Vérité, il y a des. Donc, les catholiques vont se contredire. Les catholiques vont se dire. Un, Babi Félix, tu sais que dit, on met bien na EAC pour la Nini. Communauté de pays de l'Est. Ils ont des pays d'Afrique centrale. Personne n'a vu ça dans la SADEC. Ils ont la CIRGEL. On met bien sur la EAC pour la Nini. Quand on a coupé les parrains, on a eu un peu de temps. On a stabilisé comme on a eu un peu de temps. On a eu un peu. La Bible dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il dépasse beaucoup au bout la vérité, mais tu connais bien la vérité pour tout le monde qui m'aime. Soit tu connais bien la vérité, bobo tu as baigné. Mais Kabound pas le bas qui n'a bien la vérité. Kabound a le bas qui bino bosa ba tribaliste. Kabound est un Kassaïen qui dit qu'il dépasse le tribalisme. Yo je poste tes points. C'est ce qu'elle a dit à Banza. Oye biango. N'aboye que le bas c'est qu'elle a aboye. Oye biango. Kabunda lobi, il dépasse cette diabolisation. Mukwege, depuis quand docteur Mukwege a commis Burundi, bino il dépasse. Au bout de ça, la vidéo est locuta. Depuis quand Fayulu a commis Camerounais. Depuis quand Mobutu a zala cet Africain. Voilà, merci beaucoup, Prince Epengé. En conclusion, donc, dans tout ça, Prince Epengé, responsabilité à Iope, Prince Epengé, à Linini, dans tout ça. Oui, on a responsabilité. Moi, le blanc peuple. Oh maman, descendez à Lumumba, elle est le premier avec mon cousin Mboka Nabi depuis 2019. Nani bakangaki na devant ambassade à Rwanda. Ezaki ye? Ezaki Jabanza? Ezaki moi na Félix? Ezaki Pengi ne bakangaki au moni mukulu. Yo Ezaki wana devant ambassade à Rwanda. Félix ça sera politique. Tango bakanginga yi Félix. Félix se dirige comme un membre de l'UDPS actif. Nani oba kaki devant ambassade à Rwanda, Ezaki Pengi. Tango na ko senga ba benga na ambassade à Rwanda. Félix atindi ba police na ba kanginga ba tinga ba menote. Mama ba tinga ba kakalo kola moyibi.
Bato ba bimbonga 100 jours ba cheba okaka tenga la tenga kaka. Voilà ko sema benga na basala Rwanda. Simana wako ayiko benga na ete. Na lo bibo église catholique abi alongo la biso na EAC. Ça c'est premièrement. Et bi ke EAC wana mama. So yo oza. Oza na ba conséquences té ko bima yango? Pas de conséquences. Yo ka article 4 mama. Article 4 ya EAC lo bibo. Et la communauté des États d'Afrique de l'Est peut céder, acquérir et gérer des terres des pays membres. Communauté, on a même mis sur la EAC pour ces pays, c'est Rwanda, na Burundi, na ba Kenya. Babi communauté, on a le quoi comme écoute na carte. Communauté, on a eu qu'on céder ma belle na biso. Et qu'on a eu qu'on soit ma belle na biso, acquérir, céder et gérer nos terres. Et moi, na étienne, c'est ce que doit Mulumba. Aki ko signé accord ya ndengwana akoception na communauté de l'Est tango Martin Fayulu alobaki yango Félix longola mboka na communauté de l'Est babi Fayulu aza ene lelo église catholique asenga yango non alobaki otoko proposer te to proposer ki bango Félix c'est notre vocation trafic central d'abord longola biso na pays de l'Est ces gens là nous ont maintenu dans un état de guerre permanent pour pas exporter kabiso parce que nous ne produisons quoi comme ça Kenya ils allaient industrialiser et même les produits manufacturiers na bangonyo ba inonda na Congo nous on produit quoi maman pendant qu'on est en guerre église catholique a lobby na Félix Tshisekedi to boyi ba force ba pays de l'Est amu ugandaise oye koti 123 na Bunagana amu ugandaise ndeza ko ya awa et puis ba lobby nini gouvernement Congo peut que presse nda mambongo pour la financer armée ya Uganda oye ko ko vende pas na biso awa outi ko landa président ya senda ichimie moi je suis factuel. Je ne suis pas dans les djalelo, je ne suis pas dans le populisme. Le président EAC Ndayishimiye, président Uganda, alobi nini. Alobi bino ba congolais, biso armée ya EAC toko ya na Congo. Toko bimaka kaka mokolo, oyo armée congolaise est comme forte. Toko bimaka kaka mokolo, police congolaise est comme forte. Yoka président EAC ba ye awa pa na biso ngamba ko lo basadi ke ba ko sa a même deux siècles tant que l'armée congolaise ne sera pas forte. Merci beaucoup. Aujourd'hui la question que je pose à l'île de Pesse. Ça fait 5 mois que Bunagana est occupé. Est-ce que vous voyez même quand même vous salakuna? Voilà, merci beaucoup, Prince Epengue. Merci, Prince. Au conseil de Tona Kabila, au conseil de Tona Kabila, le bac est toi-même un diable. Ok. Dis-moi, quelle est la solution que l'IDP se préconise pour na to libérer Mboka Cannabis? Merci, Prince Epengue, on doit terminer. Rien s'il vous plaît. Merci. Vous n'avez pas occupé. Diabanda, vous avez la parole. Déplacé. Voilà, merci, Prince Epengue. L'IDP, c'est beau confesser. Oh. Bon dévoiler bah Diabanda, vous avez la parole. Félix c'est à l'obligation de confesser de nous dire. Bah signakani na kagame. OK. Ah l'obili kamwewana. Sinon Mbondo ekolandaye. Komela ka Mbondo na Félix hein. Likala komela moto wa boy. Komela ka Mbondo Diabanda boy. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Prince Epengue. Na Afrika Mbondo sa boyebi. S'il vous plaît. Merci. Aligni na lobali susute. Pas nécessairement bah contre vérité na yé. C'est ce qu'il veut. Mais toutefois, au moins, de 14 minutes à lobby, on a 7 minutes à l'obalaye dans la nyonso. Allons-y, parce qu'on doit. Et je comprends quelque part que, autour d'une question principale, et ça a un impact, marche ou anna. Au tali, l'essentiel, il y a résumé à marche, à pèse on a tchang. Tant à bando bête à marche, et ça a un impact. Focalisant on a tchang. Là où j'étais. Donc, bah, image, il y a Timbelio, il y a tchang. Mais quand vous parlez de la marche, vous parlez du Congo tout entier. Et l'église catholique, lorsque a lancé marche, c'est pour le Congo. Il y a Ngaza déjà là-bas, image ou à Tindela Kyo. Non seulement il y a Tchango. Ngaza à Nango. Il y a. Je ne suis pas l'organisateur, monsieur. Ah, mais voilà. Je ne suis pas l'organisateur. Tu n'es pas l'organisateur. Je vous dis, et là où j'ai été. Mais il y a une marche à Goma. Si je ne vous ai pas dérangé, s'il vous plaît. Je ne vous ai pas dérangé, mon frère. Il y en a un stagiaire à Kagame. Ah, mon frère. Prince Epengue. Je ne vous ai pas dérangé. Prince Epengue, s'il vous plaît. Laisse-moi terminer, mon frère. Les catholiques, c'est l'idée de personne. Prince Epengue, s'il vous plaît. Les catholiques, vous avez. Tolérance, prince. Ça ne va pas la scène. Epengue. Papa, bon, on va voir la base de l'Ougandaise dans le cannabis. Prince Epengue, s'il vous plaît. Allons-y, Diabanza, allons-y. Omoni, Prince Kimia, hein? Kimia. Omoni impact à marche. Nenge Tunisie. Kabunda, son époque, a dit topé sera 50-50. Et la vérité, mon ami. Et la vérité, mon ami, n'a sujet d'intérêt national, mais mobilisation au rabais pour la contradiction, l'ambiguïté. Il y a un discours là-bas. Tous à la sincère dans l'action, les Congolais vont comprendre eux, tout ce que nous défendons le Congo. Tant que nous avons résumé Bitumbo, le président Félix, c'est une erreur. Pour même Bitumbo, et le président Mobutu, et Bomissi, président Mouzé, et Sali que Kabila a développé le Congo pendant 18 ans, et Zala quitté. Azongeli accord secret,
na yebisi awa po biso to attaquer le président Kabila na makambo etala ki accord ezapo président Kamere o azala ki président assemblée nationale ye muta denonsa ki et ça coûter sa tête tozo beta makambo alerte ye muta lobaki ke l'accord est secret bisoté autant ni Jimmy Mukendi na prison. Je ne comprends pas. Quand on est en train de faire la politique, il faut tout y avoir à propos diffamatoire dans les médias pour y avoir commis au-dessus de la loi. Autant que Kabound na Boloko, Kabound na Boloko, tant y a lobby na bato que Mbongo et Bimaka ont mis en Kendaka. Parce que c'est preuve où est le mal. Liberté provisoire. Tant qu'on y est. Il est qui résidence surveillée à Ponaki plus en Makala. C'est son choix. Non, c'est faux. Du début, bah, il y a résidence surveillée, il a refusé pour la prison. Au long wana, otangi, bah, militant et à la mouka. Bobandi ko beta batu. Namasina, pour moutouana za moutoua idepes. Faux. Bobeti, c'est militant à la mouka qui a créé qui. Et Naza, Naina obetelo que. Je peux même vous donner de preuves. Il y a quelqu'un qui avait faux. Mon t-shirt à moi. Alati et Longinanga. Na marche. Te marche te. Ake masi na kota bande konae. Awa Elongi effigie à président Tshisekedi, il a été tabassé. Totalement et m'a touché et tina lissou. Totalement tout faux. Simplement pour Alati effigie à président Tshisekedi. Na yangai, na insigne à UDPS, il a été tabassé. Donc je me dis quelque part, tozo ça la politique. Et non ça la politique, tu es baro ça la part de choses. Sauf commettre infraction, même si tu es diabanza, même si tu es pengue, place noeza boloko. Olobia ayomoko, il y aura les sous-contradictions. Bazoya union sacrée pour protection. Babenga ki matata mponyo, kota union sacrée pour protéger yo. Mais nandimite ki babenga ki matata mponyo, pour y'a rozo ba million. Ba million, il en a. Ozolo ba très bien, l'isola protection, mon lobby l'isousou. Soit toi, il a besoin de bon betoke union sacrée. O tout n'y est question bien, Kabila a zan bon hôtel. Kabila a zan bon hôtel. Je ne sais pas si à la question il a su répondre. Ndeko nangai, ndenge morona Anthony Blinken, ndenge morona ndeko a Ucholo ba wana député européen, na epenge ba reconnaître que le complot est international. Et na reconnaissance na bango ya complot eza international, il faut aussi approche et kende na méthode eko sala que la communauté internationale etika konyoko la biso. Na bakisi li sous film à Thierry Michel, o ezo la ki sa que nous sommes victimes de nos richesses. Et pour to résoudre problème oyo, approche na biso felo na ba prisme ya ba parti et kende na logique ko comprendre que nos richesses c'est notre problème. Kalate tonga to bunda guerre mai. Parce que nous le savons tous que le Tchad avait besoin de l'eau. Déplacement fleuve Nabiso pour Bazwanda Mbamaï. Et nous le savons encore. Guerre pour un réchauffement climatique à cause de notre forêt. Tokokyo Bundango Lissousou. Il faut que nous avons épingé. Abanda pour comprendre l'enjeu. Allons en prisme partisan. Pour n'enge moko, yé. Même le lot, Mukwego Azo cité, à cause de la biseau qui est toujours diabolisé, à aucune réunion de l'UDPS, toujours à Mukwege comme une menace. Jamais. Mais Mukwege vient de reconnaître que, pas si naeza, na tweet nae que, va continuer na cofinancer Rwanda pendant qu'il est en train de semer la désolation. Il y a même pas sa kembo ou à réparer, mais va repère sa sous Rwanda. Donc, ouais, nous, on va nini. Va continuer koboma, poye à réparer. A ou tu obéta li solo, bisona kabila différence exacte. 15 milliards 800, n'est-ce pas, s'il y a 3 ans, to, le long de ton obéta li solo, on a été au triple budget. De 4 milliards à 15 milliards 800. Ce n'est pas facile. Et dans le contexte, il y a crise mondiale. À Betty Lissolo, il y a un scandale à détournement. Mon frère, mais faut se pilater. Le narratif a changé. À l'époque de Kabila, on parlait Miibi. Bazalara Miibi. Mettons tout le Babaza Miibi. Il n'y avait aucune institution capable réellement de dénoncer preuve à l'appui qui Miibi wana. Mais les longs nous avons la possibilité, sans peur d'être poursuivis, que tant que tout le Moutoutel, Tony moi baba soupçonna qui est IGF. Moutoutel ba soupçonna qui est IGF. Moutoutel ba soupçonna qui est IGF. Mouni ba konga ba sou ses alliés. Tant que obet ali sola matata tamponyo, nous ne divagons pas, nous ne parlons pas en l'air. C'est une enquête de l'IGF Moutela qui sibiso de 285 millions. Oyo ba pesa ki na projet Bukangalonzo, seulement 80 millions a été dépensé et le 205 millions est bota. On est bota masango et bota université. Donc, je crois quelque part, de tout ça,
Les lois font comprendre qu'il y a des avancées significatives. Mais nous déplorons réellement dynamisme et la justice Nabisso pour accompagner réellement la vision du chef de l'État allant partant du principe de l'indépendance de la justice. Bangonde bazo sala musala na lolenge longo banité jusque là la corruption nanwe longwe na mode opératoire na bisoté ba congolais. Mais il y a des avancées significatives. Alors bisou li solo musu soir mindele balo agression. Mais moto ya mondele wana lobi déjà li solo agression hein. Solo landi et le roteli biso. A beti déjà li solo agression. Il y a des avancées. Et des avancées, c'est une stratégie planifiée. Oh, tu as en place pour mes habits sur place ou non. Mais tu as peine à besoin d'apport, il y a épingle. Tu as besoin d'apport, il y a un découfail. Pour le contexte, tu as besoin d'apport à l'élection. Ça, c'est évident. Mais avant tu as besoin de l'élection, tu as besoin de Congo. Pour ceux qui Congo, tu as besoin de l'élection, on peut moins tout ça là, exalité. Na lobby, tu que besoin catholique, mais c'est important. Mais na lobby, discours, na bango ça ambigu. Et de cette ambiguïté, bango moro pe bazo constater que mobilisation derrière eux est comme poser moi problème. Il faut nécessairement sincérité caractériser biso projet ba programme local là gratuité de l'enseignement, c'était l'intérêt du Congo tout entier. Et de cet intérêt du Congo, nous avons remarqué comment est-ce que l'église catholique a tergiversé. Bana na ba chrétien o bazo omona que oh biso toi qui existe tchara mabonza et ils vivent mieux. Mais biso ah lelo balongo leli biso pas simoko ba parents ba fouta raté. Mais l'église le refuse pourquoi? Yo quand tu wana ambiguïté. Quand je parle de l'ambiguïté, na otala na 4 ans na yo, combien de discours vous avez tenu? Comme le président Martin Fayulu, 4 à 5 discours. A ko nommé ba soldaté, président Tshisekedi. O ndenge za wana, so ka za mobala ka bana na kabila, ba kabwana. Discours comme une difficulté. Ndenge za wana, aza muto akagame, vala kagame, lelo yena kagame bazo potana. Mais yo na kagame beaucoup mis même discours. C'est ce que j'ai dit. Abenga président Tshisekedi placebo azali na meeting wana. Na mona kelongi na ye. Abenga président Tshisekedi placebo. Mais placebo wana une année seulement après abenga dictateur. Voilà. Hier moro le président Martin Fayulu abenga li susu dictateur. Je me suis dit de placebo à dictateur. Et ça l'a mis ndengenin. C'est là où j'ai dit le discours est ambigu. L'homme politique face à la force, il y a Tshisekedi wa mulumbo ya zobeta peli solo, et ça en premier lieu la constance. Dia Banza. Dans tout ça, la responsabilité des Congolais à Liwapi parce qu'à chaque fois tout contacte kaka kagame kagame kagame, bia biso responsabilité kasi. Na c'est plein ngine lo mo ni onange penga lobi. Alobi que pour l'extérieur et beta biso l'ennemi intérieur face à ni azala. Et de cet ennemi intérieur il y a de ceux-là aussi qui sont ignorants. Pour de fois, nous, politiques, nous ne prenons pas nos responsabilités en main. Il y a aussi cet élément où il faut comprendre la prisme et la partie qui nous permettre de total le problème d'une manière globale. Ce qui est le lobby surtout les Congolais, total le problème d'une manière globale avec la responsabilité de comprendre que la richesse qui nous permettre de le problème sera. La politique congolaise peut être un dialogue franc, le président Burundi, le baki. Tout ça, sincère dans la démarche. Le dialogue peut être à la fois. Et ça, c'est moi qui Ndeko, l'ancien président Abdoulaye Wade, le président, l'ancien président sénégalais, Awapé, Abetara Lissolo, il y a un problème de la classe politique. Et je ne cesse de le dire, je l'ai dit aussi à mon frère, nous devons être cette classe politique qui doit marquer le Congo d'une manière positive. Dans l'analogie qui a Rokanissa, tout est cop. Tout est cop. Donc comme la logique qui a comprendre que, et là, qu'on y a ce d'ordre, il y a intérêt communautaire, photo simple. Même si il y a des détournements, Mais la chose la plus importante dans le il faut prison, responsabilité, moi je n'essaierai de le dire, il faut mécanisme et justice na biso et ça la bien réfléchi pour balongo na cop ba banda ko kanga ba ko luka makambo pena po bazwa solution na kati ya mboka moto azwi mbongo ake ya sa makambo ya lingi moto ana lingi mboka te ene ebite malheureusement ba millionnaire wana moto bazo koma ba leader politique soko ba bandio bengi se na justice abandi ko loba acharnement o guerre est possible ngai na sambate. C'est ce qui est en train de nous étonner. Donc, il faut nécessairement le Congolais. Toi, Barakobenga, Mabe. Qui a envoyé la délégation à Kenya?
Je crois. La délégation qui a détourné l'argent. N'a épargné Batoï de Peste. Différence n'a pas de partie de son. Babylon politique. C'est le secrétariat. C'est le régime, mais tu l'as toujours. Dans le secrétariat technique, il n'y a pas de membre de. Il n'y a pas de Congolais. Non. Aden, il y a des tournées. Ou le Kenyatta, Azali, facilitateur, l'argent qui te les combat avec qui? Les secrétariats techniques. Et dans les secrétariats techniques, il n'y a pas de Congolais. Je te demande réellement de faire ta petite enquête sur le dossier en question. Tu seras plus éclairé. Kenyatta, Azali, facilitateur. Consoukaté, avec des Congolais, nous devons terminer les sommes de salle pour voyager. Congolais là, c'est pas dans le problème. Bienvenue à l'hôtel Saphir, un cadre VIP propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 Avenue Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamou. Téléphone 082 107 65 79 099 991 74 21. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Papa, bonjour, c'est un bon à commission de sous. Est-ce que Zalaka? Eh! Papa! Wana batuna yo kak! Bango kakat. Bisoto koma na Famdi. Famdi e la kisi fami digital. Si ti yaba achape, vente yaba article na bino, nyonso. Ko s'inscrit e za ofele. Quelque soit mo tango yaba marchandise na yo. En plus, zéro frais ya commission. Et puis, rapidité, sécurité, peli kambu ya visibilité. Oh, papa Louis! Grâce à Famdi, ta landenge business nanga ekoli. En plus, nazo te kapé ko somba sans frais de commission. Donc, zéro frais de commission. Vendu. Famdi, famille digitale. Hehehehe